Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous sommes en live et mon invité aujourd'hui s'appelle est un officier, c'est un Togolais qui est dans l'armée. Et avant même de commencer, je tiens d'abord à vous dire j'ai ce livre que je vous recommande. Vous connaissez déjà ce livre, c'est Commis Affiché, il est déjà venu sur ma chaîne. Et ceci, c'est Unbroken Optimist. C'est tous les des livres écrits par des Togolais, ils sont tous dans l'armée, un dans Air Force, l'autre dans Army. Et je vous invite à le lire, ça va vous permettre en fait d'apprendre de leur expérience. Et puis voilà, c'est gratuit. Bref, sans plus tarder, aujourd'hui, on parlera avec un frère de l'armée américaine qui est officier. Et voilà, vous m'avez beaucoup stressé. Vous me stressez toujours avec vos questions de trucs là. Ne vous en faites pas, je suis toujours là pour chercher des gens avec qui on va discuter. Donc, sans plus tarder, n'hésitez surtout pas à laisser des pouces bleus. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous êtes aux États-Unis, vous voulez faire une vidéo avec moi, n'hésitez surtout pas à reach out. Écrivez-moi sur Instagram, sur Facebook ou laissez un commentaire. Et... Ah ouais, tu viens... Oh, en fait, c'est ça. Unbroken Optimist. Il n'y a que la version anglaise pour l'instant. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et c'est de Kofi Dwaji. Il était sur ma chaîne la dernière fois, donc vous pouvez voir ça. Et ceci, c'est de la part de Komi Afeche, Chasing My Dream. Donc, c'est des livres que je vous recommande. Alors, sans plus tarder, je reçois mon invité du jour. Et avec lui, on va parler, au fait, de l'armée et tout. Good morning, brother. Good morning, bro. How are you? I'm good. How about yourself? Hey, I'm good. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait du temps. Merci vraiment d'avoir dégagé ton programme. Je sais qu'on aurait dû faire la vidéo depuis le week-end passé. Mais bon, hey, Dieu, mais les choses, things happen. So I'm glad to have you here. So thank you for being here with us. Ouais, ça va. C'est un plaisir d'assister. D'accord. En tout cas, ici, c'est la famille, on est là. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre de ton expérience. On est là pour apprendre. Peut-être qu'on va, certainement, les gens qui sont commentaires de partir avec un ou deux trucs de, voilà, pour, dans leur truc, qui vont aider dans leur vie. Donc, we're here to learn. Et voilà, quoi. Sans plus tarder, essaie d'introduire toi, pour qu'on sache à qui est-ce qu'on a peur aujourd'hui. Oh, bon. Oh, mon nom à l'état civil, c'est Adjagodo Abiel. Ici, bon, dans l'armée, puisque nous parlons de l'armée, je suis capitaine Adjagodo. Et oui, c'est brièvement, c'est ça. D'accord. Donc, je suis, puisque il s'agit de l'armée, donc je pense que je suis dans ma sixième année dans l'armée américaine en tant qu'officier de l'armée réserve. Nice. J'ai la chance d'être sur cette chaîne de recevoir des gens qui sont des officiers de l'armée active duty. Il y en a qui étaient dans National Guard. Et puis chacun avait son own path. Et one thing I like to do sur ma chaîne, j'aime souvent demander aux gens de nous raconter comment est-ce que tout a commencé au fait. On a envie de voir comment est-ce que tout a commencé et comment est-ce que les choses avancent. Histoire vraiment de ne pas prendre l'histoire en vol, on veut vraiment commencer par tout le début. Donc, dis-nous, raconte-nous comment tu es d'abord arrivé aux États-Unis. OK. Alors, je suis arrivé aux États-Unis le 13 janvier 2008 avec un visa étudiant et j'ai fait New York et New York à Minneapolis. Je réside actuellement dans le Minnesota. Donc, comme tu disais, je suis arrivé... L'état froid, il fait trop froid chez vous là-bas. Non, il fait pas froid, on s'y habitue. I mean, on s'y habitue pas, ben, on gère, tu vois, non. Bonne chance. Hey, that's too much for me, I can't. Merci, oui. Donc, 13 janvier 2008, j'ai atterri ici dans le Minnesota et depuis ce temps-ci, je suis, je suis basé dans le Minnesota ici. Et j'ai eu un visa étudiant la première année, 2008-2009, and then... À partir de 2009, j'ai changé mon statut et j'ai continué les études, travaillé, bossé. Tu sais comment ça se passe, non? Yeah. On a enchaîné les deux. Et au début, avec le visa étudiant, ça n'a pas été facile. Le premier point, c'était l'anglais. Avant de venir aux États-Unis, j'avais eu une licence en anglais sur le campus de Lomé. Donc, l'anglais à Lomé, on nous apprend à écrire l'anglais, mais on ne nous apprend pas à nous exprimer. Tu vois, non? Donc, la première fois, quand tu vas dans les classes ici et le professeur parle en anglais, il se passe, tu vois, non? Yeah. Donc, quand le professeur parle, c'est vraiment rapide et tu n'arrives pas à bien capter les mots et tout.
Et c'est difficile parce que tu dois comprendre le cours avant d'étudier. Donc, les premiers 6 mois, ça a été vraiment difficile, mais ce qui m'a aussi aidé, c'est que je me suis fait des amis américains. Et avec des amis américains, ta seule option pour discuter avec eux, c'est de parler l'anglais. Donc, j'essaie de mon mieux. Je savais écrire l'anglais, mais le parler était un peu difficile. Donc, j'essaie de mon mieux de parler avec eux, de converser avec eux du mieux que je pouvais. Et au fil du temps, bon, ça s'est bien passé. Maintenant, bon, c'est meilleur comparé à la Au première fois début. quand je suis venu au début, au fait. Donc, je suis venu à l'université de Bemidji, quelque part au nord du Minnesota. Après un semestre, j'ai transféré dans la ville de Minneapolis. D'accord. Donc, c'est ça. Et raconte-nous en fait comment tes premières expériences quand tu étais arrivé, comment tu t'es débrouillé. Je sais que l'anglais c'était pas vraiment ça, mais comment tu t'es débrouillé en fait pour parler Oh. avec eux, comment tu t'es fait tes premiers amis, raconte. Non, la première fois, le Minnesota, si tu connais le Minnesota, c'est le nom des États-Unis et il fait vraiment froid, comme tu l'as dit. C'est Donc, un congélateur. je suis arrivé en janvier et janvier, c'est vraiment le mois où il fait. Janvier, février, c'est vraiment les 2 mois où il fait vraiment froid. Et encore, je me suis installé au nord, donc c'est vraiment froid. Donc, tu sais, j'avais pas de voiture, j'avais rien en ce moment, donc je marchais pour aller à l'école à peu près 30 à 45 minutes. Donc, D'accord. je mettais le manteau et tout, ma main dans ma poche et je marchais. Et il s'est fait qu'un jour, quand j'étais en train de marcher pour aller à l'école, j'ai vu, il y avait, puisque je ne comprenais pas bien l'anglais et tout, donc les informations me manquaient au fait. Je vois. Donc, l'université avait un transport de bus pour les étudiants. Donc, il y avait, je suis en train de marcher un jour et il y avait le chauffeur du bus qui m'a vu et il m'a transporté en fait. C'est en ce moment qu'il m'expliquait le trajet. Et que chaque matin, si je m'arrêtais à ce bus station, que le bus passe toujours par là et il va me prendre pour aller à l'école. Donc, c'est comme ça que, à partir de là, je prenais le bus pour aller à l'école et des fois, il venait me chercher pour aller faire les provisions à Walmart et trucs comme ça. Donc, il m'a pratiquement tracé l'itinéraire du bus et ça m'a vraiment beaucoup aidé en ce sens-là. Donc, quand je suis arrivé, 6 mois après, je suis arrivé à Minneapolis. Et après, il me semble, après un mois comme ça, je me suis acheté une voiture. Et puisque à Minneapolis, le transport de bus n'est pas vraiment développé comparé à New York. Et aussi, je n'habitais pas dans le downtown Minneapolis. Donc, avec la voiture et tout, j'étais quand même. Je pouvais me rendre à l'école. Après l'école, j'allais bosser et. C'est comme ça, quoi. Depuis toujours, Wow. ça a été comme ça. Mais côté ami, je ne sais pas. C'est comme si des fois, bon, il y avait aussi une communauté togolaise ici qui m'a accueilli. Donc, par là, je me suis fait des amis avec eux. Et tu sais, avec les Togolais, parfois on parle anglais, mais la plupart du temps, c'est le MENA. Donc, en plus d'eux, je me suis aussi fait des amis à l'école. Et des fois, quand ils te voient, ils voient que tu n'es pas d'ici, eux-mêmes, ils s'approchent de toi et ils t'offrent d'aide et ils t'offrent de t'aider. Donc, c'est à toi de prendre, c'est à toi maintenant de t'attacher à eux, de prendre leur numéro de téléphone et ensemble, aussi, on fait aussi des groupes de travail et des trucs. Bon, le but, c'est d'essayer de parler l'anglais as much as possible, as much as you can, tu vois, non? Donc, c'est ça, je ne sais. Bon, l'amitié, des fois, tu ne le forces pas, tu vois, non? Donc, ça vient comme ça, tu ne sais même pas comment ça vient. Et bon, on est resté amis avec certains. Bon, tu sais, la vie faisant, bon, certains, le contact n'a pas été gardé et tout, mais bon, ça va quand même. Wow, je vois. Oui. Et donc tu es arrivé avec les étudiants. Raconte-nous comment c'était, comment est la vie quand tu es aux États-Unis en tant qu'étudiant international, ou bien quand tu viens en tant que avec le visa, comment ça se passe? Vu que tu n'as pas de famille, vu que tu as appris à personne, raconte-nous comment, parce que je sais qu'au moins quand tu viens avec le visa DV, au moins peut-être que tu connais quelqu'un qui va t'aider parce que Oui. voilà, tu as les papiers normaux, tu peux travailler, on décide. Je sais que en tant qu'étudiant international, tu as quelques heures limitées de job et le reste, c'est les écoles. Raconte comment se passe la vie quand tu es dans ce genre de configuration avec le visa étudiant. OK.
Oui, avec le visa étudiant comparé au DV, il est vrai que c'est un peu difficile. Donc, dans mon cas, avec le visa étudiant, je te parle de maintenant, il y a maintenant comme étant 2008 à 2022. Donc, peut-être que les choses A ont changé. changé ou bien c'est la même chose, mais je vais te répondre en fonction de mon expérience. En ce temps-là, avec un visa étudiant, tu n'étais pas autorisé la première année, ça veut dire 2 semestres. À travailler à l'extérieur. Donc, tu peux travailler seulement à l'intérieur du campus. Ça veut dire que tu peux travailler à la bibliothèque, en kitchen, tu peux vendre des tickets et tout, et tout. Mais tu ne peux pas aller à l'extérieur et travailler. Donc, heureusement pour moi, quand moi j'ai commencé, et puis aussi, tu as mentionné un point que, en venant ici, je n'avais personne. Je ne connaissais personne. J'ai seulement pris l'avion et je suis venu ici. Mais il s'est fait que quand j'ai atterri à l'aéroport de Minneapolis, il y avait le cousin de ma mère qui était là pour m'accueillir à l'aéroport. Donc j'ai passé la première nuit avec lui et le lendemain, je suis allé à Bimidji. Donc quand l'école a commencé, le premier jour, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir trouver un travail. Et mon job était de vendre des tickets pour les matchs de hockey, basketball et les tournois de. Athlétisme. Donc ça a été mon premier boulot au campus. Et aussi sur ton permis de travailler, il y avait la mention que tu ne pouvais pas travailler plus de 20 heures ou bien un truc comme ça. Donc ça dépend, puisque c'était en hiver et aussi c'était la saison de l'hockey. Des fois, bon, tu travailles 3 heures par les matchs, c'est souvent les vendredis et samedis. Donc tu fais 3 heures par nuit ou un truc comme ça. Donc, c'était pratiquement mon premier boulot aux États-Unis, vendre des tickets pour les événements sportifs. Donc, c'est ça. Et continuons, tu as continué juste à vendre des tickets, ou bien c'était après tu as eu trouvé un autre job, mais, ou bien comment ça se faisait? Donc, ton parcours, c'est classe, tu travailles vendredi, samedi pendant 3 heures et c'est fini. Oui, bon. À Bémidji, c'était seulement l'école en premier. Donc, le matin, je me réveillais, je vais à l'école et s'il y a les activités sportives après l'école, donc je reste à l'école et je vais récupérer les tickets et je vends. Mais quand il n'y a pas d'activité sportive, je vais chez moi. Bon, j'avais loué une chambre dans une maison, donc je vais chez moi et je passe le reste de la journée dans la chambre. Et aussi, je n'étudiais pas parce que les cours que je prenais en ce moment, c'était vraiment un truc vraiment pas. C'est trop facile pour toi. C'était vraiment trop facile pour moi. Et le problème, c'est que tu avais besoin de prendre ces classes pour pouvoir prendre les classes supérieures. Donc, c'était C'est un vraiment. peu comme les pre-requirement Ce classes, n'est-ce pas? n'est même pas prérequis, ils appellent ça English as Second Learner. Oh, Des ESL, ESL? trucs bizarres comme ça, oui, des trucs ESL vraiment. classe, ouais, je vois. Oui, vraiment facile et vraiment, je n'avais pas la tête à apprendre. Tu n'avais même pas besoin d'apprendre. Donc, l'école, maison, s'il y avait ticket à vendre, je vends le ticket et après ça, je viens à la maison pendant 6 mois. Donc, je suis resté à Bemidji de janvier à mai. Donc, après ça, après mai, c'est en ce moment que j'ai transféré pour venir à Minneapolis. Donc, à Bemidji, c'était seulement classe, maison, ticket et puis c'est ça. Je n'avais pas d'autre boulot. Je n'avais pas d'autre boulot à Bimini. Il est vrai que j'avais essayé une fois d'aller chercher un travail à McDonald's, puisqu'il y avait l'inscription sur mon permis de travail, mon social. Il ne m'avait pas laissé, il ne m'avait pas laissé le choix, en fait. Donc, Donc, on mentionne directement sur ton social que tu ne peux pas travailler oui. hors. Oui, je ne me souviens plus de ce qu'ils écrivent, mais il y avait un truc sur ça que not authorized to work without DHS permit, un truc comme ça, quoi. Donc, la première année, c'est ça qui te met sur le truc là. Si j'étais resté au moins un an à Bemidji et que je voulais maintenant travailler après ma première année, donc j'allais demander une application de travail qui m'autorisait maintenant à aller travailler à l'extérieur. Et tu ne travailleras pas plus de 20 heures. Tu vois, non? Donc, moi, je ne suis pas resté à Bémidji, donc je ne sais même pas comment cette demande, elle se fait. C'est ça.
Ok. Donc maintenant, tu as mouvement à Minneapolis. Raconte-nous ton lifestyle quand tu es arrivé à Minneapolis. Une fois à Minneapolis, Minneapolis est vraiment une grande ville comparée à Bemidji. Bemidji, c'est principalement pour les étudiants. Donc, une fois à Minneapolis, les choses se sont vite accélérées. Ok. Maintenant, pendant les vacances, puisque j'allais recommencer l'école en août, donc de juin à août, je me suis seulement mis à chercher du travail par-ci, par-là. Et comme je te l'ai dit, il n'y avait pas de bus, donc tu ne peux même pas pédaler. À Bemidji aussi, j'avais aussi un vélo. Et 2 mois après, le vélo a été. Ils ont volé le vélo. 2 mois après, Comment toujours ça s'est passé? resté. Je ne sais même pas. J'ai garé le vélo devant la maison où j'habitais. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai pu trouver le vélo. Donc, Wow, c'est pas la peine. c'est bizarre. Ça me rappelle aussi quand j'étais arrivé aux États-Unis. J'avais eu un vélo pour aller au travail en attendant de Oui, m'acheter une voiture. c'est Et ça. quand je m'étais acheté la voiture, j'ai fini par garer le vélo dans l'enclos, en fait. Et un jour, comme ça, on s'est promené, on est allé à Springfield. Je reviens, je ne vois plus le vélo. Oui, c'est ça. Man. Ouais, donc ils ont volé le vélo. Bon, moi j'ai plus cherché. Donc, à Minneapolis ici, tu ne peux pas traîner ton vélo sur le highway ou bien un truc comme ça. Donc, il te faut une voiture. Si tu n'habites pas dans le downtown, les bus, c'est difficile. Donc, il te faut une voiture. Et je me suis acheté une voiture vraiment moins chère en ce moment qui m'avait vraiment aidé à faire le truc là, chercher du travail. Et j'ai trouvé du travail. Je pense que mon premier travail. Non, j'ai pas trouvé le travail pendant les vacances. Donc, j'ai commencé l'école. Et tu sais, quand tu commences l'école, ils ont un truc qu'ils appellent. C'est comme une foire de l'emploi. Donc il y a des compagnies qui viennent sur le campus un jour c'est une foire au fait. Donc je me suis approché d'une de ces compagnies et cette compagnie s'occupait des personnes handicapées, disabled person. Donc c'est comme ça que j'ai pris l'application et j'ai posé ma demande et ils m'ont offert un travail et je m'occupais d'un enfant. Il était autistique. Donc je m'occupais de lui de. Bon, si je me dis je m'occupais de lui, c'est comme si dès qu'il revenait de l'école, je reste avec lui jusqu'à ce que sa mère ne revienne du boulot de 15h30 à 17h. Donc c'était ça. Je finissais les classes 14h, 13h. Et à 15h30, j'attends mon petit à la descente du bus. Et quand le bus vient, lui et moi, on rentre chez lui à la maison. Et puis on passe le temps. Des fois, bon, je le prends et on va dans les thrift stores. Bon, des trucs pas trop vraiment contraignants, quoi. Donc, c'était mon premier travail ici. Et puisque c'était seulement de 15h30 à 17h, lundi à samedi, donc c'est pas vraiment bon pour le revenu. Donc, je me suis cherché un second travail que je faisais de 18h à 22h ou bien 23h. Et c'est cleaning. Comment ils appellent ça? Nettoyage, cleaning. Nettoyage des bureaux, bon, comment ça s'appelle ça? Office cleaning. Tu vois les entreprises. Donc, il y avait une entreprise et ils m'ont donné. Bon, la compagnie m'a placé là-bas. Quand les gens finissent de travailler à 18h, moi je vais là-bas. Je nettoie les bureaux, les toilettes, bon, et tout ça, quoi. Just cleaning job. Donc, c'est ça que je faisais en plus de mon truc avec mon petit. Et le matin, je vais à l'école, le soir, le boulot. Et c'est ça que je faisais. Ah, ouais. Et j'allais au community college hier à Minneapolis. Oui. Et donc, après, tu as fini par graduer. Et moi, je veux juste poser une question. Je sais que tu n'es pas obligé de reprendre, parce que si c'est possible, tu reprends. Mais comment est-ce qu'on peut transférer, ou bien comment on change de statut, au fait, du visa étudiant à peut-être avoir une green card, un truc comme ça? Je suis curieux de savoir. Oh, tu sais, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Dès que tu es dans le besoin, Tu as Dieu trouvé. aidant, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Donc, oui. Bon, dans mon cas, chacun a sa. C'est différent de personne à personne. Je vois. Donc, moi, j'ai utilisé l'option qui m'avantageait le plus.
Et Dieu aidant encore une fois, ça a vite passé sans trop de problèmes, quoi. Donc, sans trop de problèmes. Le problème, c'est que dès que tu es dans le cas, ce que je peux dire, c'est que dès que tu es dans le cas, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. C'est ça. Parce que j'ai actuellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont là avec le visa étudiant, qui sont ici aux États-Unis. Souvent, on me pose la question, si je suis venu avec le visa étudiant, est-ce qu'il y a moyen, en fait? Parce que beaucoup d'entre eux aussi veulent rejoindre l'armée. Mais, tu sais, de nos jours, tu ne peux pas rejoindre l'armée si tu n'es pas résident Là. permanent ou bien si tu n'es pas, tu n'as pas la green card. Donc depuis beaucoup me demandent, je me suis dit, ah, on sait jamais. Dès que tu as mentionné que tu étais venu avec le visa étudiant, ok, on peut, je vais, Non, ah, si tu... non, tu sais, la situation diffère de personne à personne. Tu vois, l'armée, quand ils sont venus ici, ils ont évoqué l'armée, mais c'est que les gens passent sans avoir l'information. Tu ne peux pas joindre l'armée avec un visa étudiant. Tu vois, non. Mais dans mon cas, je n'ai pas utilisé le visa étudiant. Et tu peux donner mon contact à ces personnes. Ils peuvent me contacter et on ira plus en détail. Tu vois, non, on ira plus en détail. En tout cas, merci déjà. Ça là, c'est thank you so much. Ça va aider beaucoup de gens. Donc, si tu es en commentaire, bien sûr, tu regardes cette vidéo plus tard et que tu es étudiant international et peut-être tu essaies au fait de régulariser ou bien de peut-être essayer de trouver une solution pour essayer de rejoindre l'armée ou bien avoir une green card, n'hésite pas à laisser un commentaire et puis je veux vous donner le contact du capitaine et puis il pourra mieux vous aider. Et pardon, ne savez pas en Afrique et puis venir nous déranger. On dit quand si vous êtes aux États-Unis avec visa étudiant. Je tiens à préciser ça. Merci. Continuons. Maintenant, à quel moment tu as décidé aux gens de l'armée? Donc, mon premier contact avec l'armée, au fait, c'est quand j'étais sur le community college. Comme je te l'ai dit, il faisait des fois de l'emploi et tout. Et l'armée était l'une des compagnies qui était sur le campus en ce jour-là. Donc, un instant. Il n'y a pas de souci. En attendant qu'il revienne, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et puis abonnez-vous aussi, c'est important. OK. Donc, comme je le disais, l'armée était sur le campus. C'était en 2009, je pense. 2009-2010. Donc, l'armée était sur le campus en ce temps-là. Donc, moi, j'étais en train de chercher du boulot et je me suis approché de l'armée. Et comme je l'avais dit avant, j'avais en ce moment le visa étudiant. Et ils m'ont dit que si j'avais la green card en ce moment, qu'il allait plus s'intéresser à moi. Donc, c'est de là qu'il me disait que si j'étais en train de bosser pour mon associé degree. Donc, il me disait qu'avec mon associé degree, si j'essaie de joindre l'armée, je serai en tant que spécialiste E4. Mais si je vais plus et j'ai au moins le bachelor degree, donc il y a possibilité de joindre en tant qu'officier. Donc, de là, puisque je n'avais pas encore les prérequis pour joindre l'armée, donc j'ai vite brossé cette idée de ma tête. C'était là mon premier contact avec l'armée. Et tu veux que je continue Ouais, comment? vas-y. OK. Il n'y a pas de souci. Nous, Donc, on aime les bonnes histoires, t'inquiète. après ce premier contact avec l'armée, de l'eau a coulé sous le pont, j'ai fini par avoir mon associé degree et j'ai changé mon statut et aussi j'ai fini par avoir aussi mon bachelor degree en Medical Laboratory Science. C'était en 2000. C'était en 2000. J'ai eu mon associé en Medical Laboratory Technology en 2013 et mon bachelor en Medical Laboratory Science en 2015. Donc, après mon associé degree, j'avais gardé mon boulot où je prenais soin des personnes handicapées. Maintenant, je les transportais le matin. Ils ont un truc qu'ils appellent des programmes. Le Donc, décaire. oui, donc je vais chez eux à la maison, je prends trois clients dans ma voiture et je les amène au centre où ils font leurs activités récréatives. Donc, je fais ça du matin de 8h à 14h30. Et maintenant, de 15h à 21h, 22h, je travaillais dans une clinique en tant que Medical Laboratory Technician. J'ai une question. Qu'est-ce que vous faites en tant que medical laboratory technician? En tant que Medical Laboratory Technician, tu t'occupes de tous les tests laboratoires, Ah, de tous les laborantin. Donc, techniquement, tu es un laborantin, c'est ça? techniquement. Donc, c'est tout ce qui est sang,
urine et tout. Donc, Oh. moi, je m'occupe de ça, quoi. Donc, si tu vas chez le médecin maintenant et il demande ces tests, moi, je te prends du sang Tu fais les analyses, en fait. je fais les analyses et je mets le résultat dans l'ordinateur et tu vas gérer ça avec ton médecin. Donc, OK. c'est. That was my main duty. OK. Donc, je faisais ça de 15h à 21h et tout comme ça. Ma position était pour 2 ans. D'accord. J'avais une position parce que la seule degree, c'est 2 ans de formation professionnelle. Donc, après que j'ai eu mon 4 ans de mon bachelor maintenant, j'étais en train de chercher une nouvelle position. Donc, dans la clinique, il n'avait pas d'opening pour 4 ans d'études. D'accord. Donc, il me disait que si j'allais rester avec eux, j'allais toujours continuer par bosser en tant que technicien de 2 ans. Donc, en ce moment, les charges s'accumulaient, je devais payer mes loans et tout. Donc, je me suis dit que bon, ça ne m'avantageait pas. Donc, il faut que j'aille chercher ailleurs parce que avant qu'ils ne me prennent pour mon niveau de 4 ans, il faut qu'il y ait une position qui s'ouvre. Et c'est pas demain où donc j'ai commencé par chercher une position qui correspondait à mes 4 années d'études. Donc c'est comme ça, quand je suis allé online, j'ai tapé mon truc et tout, et j'ai vu une position qui correspondait à mon niveau d'études, mais c'était avec l'armée. C'était avec l'armée réserve. Non, c'était avec l'armée. Donc, je me suis décidé, bon, tu sais, il n'y a pas de problème. Donc, il faut au moins demander les informations. Ça ne blesse personne. Donc, c'est comme ça que je suis allé voir le recruteur et il m'a expliqué que c'était une position pour l'armée réserve. Et bon, c'est ça. C'était maintenant mon second contact avec l'armée. En ce moment, bon, j'avais au moins les prérequis pour pouvoir continuer avec eux. Maintenant, quand tu as rencontré le recruteur, raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été facile de trouver d'abord un recruteur? Et j'ai même cette question. Quelqu'un m'a demandé la question de savoir si quand tu as le bachelor, est-ce que tu intègres directement l'armée en tant qu'officier? Bon, pour répondre à ta question, d'abord, j'aimerais dire que maintenant, quand nous parlons de l'armée, il faut savoir une chose. J'aimerais que mes frères en Afrique comprennent que les États-Unis ne viendront jamais en Afrique pour recruter, pour venir dans leur armée ici. Parce que il y avait un de mes amis qui m'avait posé cette question en tant que c'est comme ça. Il y avait un gars qui s'approchait de lui pour lui faire des papiers, pour venir ici et tout. Bref, il allait seulement gaspiller son argent. Donc, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus. Tu vois, non? Donc, pour trouver le recruteur, ce n'était pas difficile parce qu'il y avait toutes les informations en ligne. Et la chance que j'avais, c'est qu'ils ont leur siège ici à Minneapolis. C'était ensuite à 30 minutes de là où j'habitais. Donc, puisque moi, je faisais la demande en tant que medical laboratory scientist, donc il me fallait aller voir un recruteur qui travaillait pour le département médical de l'armée des États-Unis. Donc, parce que j'ai fini par apprendre qu'il y avait que eux ils s'occupent seulement de ce qui est médical. Quand tu es docteur, tu vas vers eux. Tu es nurse, infirmier, tu vas vers eux. Pharmacien, lab, Qui a trait à la médecine, en fait. tout ce qui a trait à la médecine, tu vas vers eux. Si tu vas vers un normal recruteur, un truc. Donc, si tu vas vers un recruteur qui n'est pas spécialisé Spécialisé dans le IA. dans le domaine médical, ce recruteur doit t'envoyer vers un medical recruiter. Tu vois, non? Donc, moi, j'avais la chance de tomber directement sur un medical recruiter. Et je suis allé vers lui et on a conversé et il m'expliquait que puisque moi j'ai déjà le bachelor degree, donc je vais si je décidais de joindre l'armée, j'allais joindre l'armée en tant que officier. Et ton grade dépend de ton année d'expérience professionnelle. Tu vois, non? Donc il me disait que dans mon cas, soit j'allais joindre si je joignais l'armée, mon grade serait second lieutenant ou first lieutenant. Mais c'est trop tôt pour
pour cet auto pour me pour finaliser le Yeah, grade. yeah. Je devais commencer le procédé. Ils allaient étudier mes transcripts et tout pour Right. finaliser. Right. Donc c'est ça. Donc, quand je suis allé voir ce medical recruiter, il m'a donné les conditions et tout. Ma curiosité poussant, je suis allé voir un autre recruteur. C'est à ce moment que j'ai su que c'est en ce moment que j'ai su qu'il y avait deux types de recruteurs en fait. Donc, quand je suis allé voir ce recruteur et il m'a fait bon, les conditions aussi et il me demandait de passer l'ASVAB. Au fait, avec le medical recruiter, je n'avais pas besoin de passer l'ASVAB parce que j'avais déjà une aptitude professionnelle Oh wow, that's better. qui était le lab. L'ASVAB, au fait, c'est de voir dans quel domaine tu peux évoluer dans l'armée. En regardant ton score. Si tu as un score élevé en mécanique et tout, tu vas voir qu'ils vont te placer, ils vont te donner un truc qui est mécanique, un truc Yeah. électronique. Donc, c'est en fait l'une des raisons de l'ASVAB. Mais dans mon cas, j'avais déjà une aptitude professionnelle qui est le lab. Donc, l'ASVAB n'était plus dans mon camp. Mais quand j'étais allé voir ce recruteur, il me disait qu'il m'a fait passer l'ASVAB et j'avais, non pas l'ASVAB, mais un semblant d'ASVAB, au Il y fait. a le début, je pense que en fait pour avoir ton niveau en fait like Exactement. yeah. Et parce que vu mon niveau, c'était vraiment facile pour moi. Et mon score était vraiment élevé et ils étaient impressionnés. Et ils voulaient même me faire signer sur le tas. Rapidement, rapidement Oui, dire. ils me disaient que si je voulais, le lendemain, je peux aller au MEPS et faire tout et tout. Bon, moi je ris, en fait, parce qu'ils m'offraient un E4 position. Et je me suis dit que vraiment, c'est dommage, quoi, Mais parce que beaucoup de frères se sont fait piéger comme ça. Tu vois, yeah. non? Ils ont un niveau bachelor degree et ils sont allés voir un de ces recruteurs et ils les ont signés. Ils ont commencé en tant que spécialiste. J'avais rencontré un gars qui était dans le cadre. Il lui a fallu sortir, puisque je ne savais pas, il lui a fallu maintenant renoncer à son truc-là et recommencer le procédé pour devenir officier. Donc, quand il m'a dit ça, bon, moi, je me suis mis à rire. Je me suis dit, OK, c'est pas pressé. Moi, je suis pas pressé et je suis reparti. Et j'ai refait mon chemin avec mon medical recruiter. Et finalement, j'ai soumis mes papiers. Je suis allé au MEPS. Et mon grade en ce moment était ce que le tenait. Si j'acceptais les conditions, j'ai accepté. Et je suis maintenant devenu ce que je suis. En temps aussi, j'avais contacté l'Air Force. Okay. Et l'Air Force, la raison pour laquelle je suis pas allé avec l'Air Force, c'est parce que eux, il y avait pas de position réserve, c'était Active Air Force et il me fallait déménager. Et en ce moment-là, Oh. je n'étais pas prêt à Déménager. déménager. Donc, c'est pour cela que j'ai abandonné l'idée de l'Air Force et j'ai finalement continué avec l'armée réserve. Là, maintenant, je viens d'apprendre un truc avec toi, c'est que moi, je savais même pas qu'il y avait des recruteurs spécifiques pour, imagine, si tu es dans le domaine médical, mais dans un domaine spécifique. Moi, je pensais que, en fait, tous les recruteurs étaient les mêmes et que c'est quand tu passes l'ASVAB et tu commences en tant qu'enlisted et après, maintenant, tu vas maintenant en tant que, après, tu commissions ou bien tu vas en retour pour devenir officier. En fait, je ne savais pas que tu pouvais directement aller voir un recruteur spécialisé et tu n'avais même plus besoin de prendre l'ASVAB. Tu vois, ça, j'ai appris des choses Oui, nouvelles. oui. Donc, Tu sincèrement, sais, c'est bien. le problème, c'est l'information, en fait, qui manque. Yeah. Moi aussi, je n'étais pas au courant de ça. Il a fallu que je pousse ma curiosité pour aller parler à un autre recruteur et j'ai fait la comparaison. Et quand j'ai reporté le problème au medical recruiter, c'est mensuellement qui me faisait comprendre que chaque fois qu'ils signent une personne, ils ont un bonus, au fait. Yeah. Donc, le but pour eux, tu sais, c'est la vie, lui aussi, il va monter. Il veut pour lui. Donc, c'est ça. Donc, lui, il s'en fout, au fait. Lui, c'est son bonus qui l'intéresse. Et le medical recruiter me disait que ce n'était pas une bonne pratique. Que si quelqu'un a un diplôme médical, docteur, dentiste, je ne sais pas quoi, et que cette personne va vers eux, ils ont pour instruction de leur envoyer cette personne. Tu vois, parce que eux, ils s'occupent seulement de médical. Quand tu vas là-bas, tu dis infanterie, ils ne te connaissent pas. Mais quand tu parles médical, ils vont s'asseoir, ils vont discuter avec toi. Donc, chez moi aussi, préciser que actuellement, il me semble qu'il y a quatre départements de l'armée qui font ce type de. Ce que j'ai fait, ils appellent ça direct commissioning. Donc, tu n'as pas besoin, parce que moi je n'avais aucune expérience en matière d'armée. Je n'étais pas enlisted,
pour devenir officier. Donc, je suis directement parti de zéro pour faire le truc là. Ils appellent ça direct commission round. Et il y a quatre départements de l'armée, si je pense bien, qui font ce truc là. Il y a le département médical, il y a aussi les affaires juridiques, il y a le chaplain, ce sont Chaplain, il y a les les. trucs de. Un peu comme les comment on peut dire ça en français? Les aumôniers. Exactement. Et aussi, tout récemment, ils ont ajouté le cyber, les trucs de cyber, trucs là. Donc, Cybersecurity il me semble que c'est seulement ces quatre-là qui font and stuff. OK. de zéro à je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire Mais que c'est si ça. tu as un diplôme, si tu as, disons, un bachelor dans ces quatre domaines, donc tu peux directement aller voir un recruteur et puis devenir directement officier, en fait. Je pense, mais moi, je parle en fonction de mon expérience dans le Déjà. domaine médical. Yeah. Donc, je sais que si tu as un diplôme médical de minimum 4 ans et que tu veux joindre l'armée en tant que et que tu veux joindre l'armée dans le domaine médical, tu vas et tu n'as pas de truc là de prior Expérience. experience, tu Yep. vas à direct commissioning. Tu vois, non? OK. Tu sais qu'il y a aussi qu'il y a plusieurs. Bon, il y a plus d'une méthode de devenir officier. Il y a le Yeah, ROTC, le ROTC, OCS, Green to Gold, et Direct Commissioning aussi, aussi West Point et tout ça. West Donc, Point. moi j'ai utilisé le Direct Commissioning Route pour être là où je suis maintenant. Attends, ça m'amène à me poser une question. Imagine quelqu'un en Afrique, il a, je sais pas, il a peut-être son master bien, je sais pas, un master en Afrique. Il vient aux États-Unis. Il vient avec les transcripts de ses diplômes. Et après transcript, on dit que ça équivaut à 4 ans d'études, enfin, quatre, et disons ça équivaut au bachelor. Est-ce qu'il peut directement, il veut intégrer l'armée, est-ce qu'il peut directement aussi aller voir un recruteur de medical, enfin, un recruteur spécialisé, peu importe le domaine qu'il a fait, pour devenir commission direct, pour commission en même temps? Est-ce possible? Je ne sais pas, mais je sais que avant de faire tout ça, tu dois au moins avoir la green card. Tu vois, non? Et même si tu convertis tes diplômes du Togo dans le système des États-Unis ici, moi-même je l'ai fait et ils m'ont donné le niveau qu'ils m'avaient donné ici. J'étais à peu près. J'étais à 8 crédits du bachelor degree. Tu vois, non? Tu avais la licence au pays, n'est-ce pas? J'avais la licence et j'avais presque fini ma maîtrise, au fait. Ah, ok. Donc, quand j'avais converti tout ça dans le système des États-Unis, j'étais à 8 crédits, un truc comme ça, du bachelor, puisque le bachelor degree, si ça fait à peu près 120 crédits. Il y a 120 crédits, yep. Donc, quand j'ai converti mon truc ici, ça me faisait 102 crédits, tu vois, non? Mais c'était un truc, j'avais fait l'anglais sur le campus. Et moi, une fois ici, je me suis vraiment dit que l'anglais, vraiment, c'est pas. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cet anglais. Donc, Surtout que tu es dans un pays anglophone, Exactement. Donc, il me fallait recommencer tout à zéro. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé dans le domaine, à étudier dans le domaine médical. Donc, je n'ai pas vraiment utilisé beaucoup de ces crédits pour être là où je suis. Donc, s'il y a un frère qui est dans le cas, qui est dans le cas, je ne sais pas comment il va faire. Même si on lui convertissait ses crédits aux États-Unis, si, je pense que les États-Unis, si, ils vont au moins demander un truc qui a un diplôme d'ici. Tu vois, non? Et je ne sais pas. Je peux seulement parler de mon expérience. Tu vois, non? Je comprends. Non, Mais c'était juste une question aussi, non, histoire de mais voir si tu avais vu quelqu'un dans le cas ou bien non, si j'ai tu as une pas. idée. Non, non, je n'ai pas vu quelqu'un dans le cas et je n'ai pas idée de comment ça se fait. Mais si effectivement quelqu'un est dans le cas, ça ne coûte rien d'essayer. Tu vois, non? La réponse qu'ils vont te donner, c'est oui ou bien un non. Et au moins, ils vont te diriger vers la bonne route. Tu vois, non? C'est vrai. Donc, si quelqu'un est dans le cas, que cette personne ne s'affole pas, que cette personne sache où aller demander l'information. Tout est possible. Rien n'est impossible. Il faut seulement prendre le courage sur toi et savoir où demander l'information, tu vois. D'accord. Donc, du coup, tu as demandé, tu as signé ton contrat en tant que second lieutenant. Raconte-nous comment ça se passe la formation en tant qu'en lycée. Parce que enfin, en tant qu'officier, pas officier, parce que moi, je suis un lycée, je connais comment ça se passe, le training. Mais je ne sais pas comment. Raconte-nous comment ça se passe en tant que, quand vous allez. Est-ce c'est la même chose? Vous Non. appelez, vous dites basic training aussi? C'est basic training? Non, dans mon cas, ils appellent ça BOLEC, Basic Officer Leader Course.
Oh, ok. Donc, Comment ça se passe? Raconte-nous. tu sais, avant, bon, moi j'ai signé ma commission le 1er mars 2017. D'accord. Donc, il faut avouer que quand je faisais toutes ces démarches-là, ça a pris du temps. J'ai commencé en mai 2016, un truc OK. comme ça. Donc, pour moi, je pensais que, bon, tu vas parler au recruteur et tu remets les papiers qu'il te demande et puis c'est bon, le lendemain tu signes et puis tu pars. Non, c'est pas ça. Ils font toutes les enquêtes sur toi. Bon, je ne parle maintenant du procédé. Quand tu décides de joindre, OK. comment ils font et puis tu vas commission. OK. Donc, tu remets tes papiers, ton diplôme et tout, ta nationalité. Like, tu sais comment ils font les enquêtes sur toi. Et après, ils te demandent d'aller au MEPS, faire les examens médicaux. Et après, tu es là en attente et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, finalement, à un moment donné, bon, moi, je me suis vraiment dit que ça ne passait pas, tu vois, non? Parce que ça prend vraiment du temps. Et moi, j'ai même oublié que j'avais même déposé mon dossier pour faire le truc là. Et un jour, mon téléphone a sonné et le recruteur me dit, Hey, what's up? I was like, Yeah, I'm fine. He was like, Are you ready for this? Your paper has been approved. Whenever you Nice. want to commission, let's do it. Et c'est en ce moment que le truc vraiment, ça commençait pas. Donc, c'est vrai que ce que j'étais en train de faire maintenant, bon. Ça commence. OK. It look like something now. Oui, parce qu'au début, je faisais ça, mais je faisais seulement, bon. Je n'avais pas vraiment de. J'allais seulement. Mais quand maintenant, ils m'ont dit maintenant que je suis clair à 100%, ça ne dépendait que de moi pour venir signer. C'est en ce moment qu'il y avait un truc qui s'est produit en moi, quoi. Parce que l'armée et moi, bon, tu sais, je n'avais jamais pensé joindre l'armée. Tu vois, donc, je me suis dit, oh, OK, bon, ouais. C'est bon, allons-y. Si ça marche, ça marche. Si ça, bon. Tu apprends toujours quel que soit le truc là. Donc, c'est comme ça, je suis allé, j'ai signé et j'ai signé le 1er mars 2017. Je suis allé au Bolec le 2 février, en février 2018. Donc, pendant tout ce temps-là, j'étais avec mon unité qui est dans le Des Moines, comme je te l'ai dit. Donc, j'allais au drill. L'armée réserve, c'est quoi en fait? Tu vas seulement au drill one week-end dans le mois. Tu vois, non? Et dans le summer, tu fais 2 semaines de training. Minimum 2 semaines. Donc, j'ai commencé mon premier drill en mai. Donc, de mai jusqu'à janvier, j'étais en train de faire le monthly drill. Un week-end dans le mois. Et en février, je suis allé au Bolec. Donc, l'armée réserve, le département médical, moi, mon Bolec, c'était comment? J'avais fait distance learning. Donc, il t'envoie des cours que tu fais sur ton ordinateur et puis tu passes les examens et tout et tout. Dès que tu passes ce distance learning, c'est à ce moment que tu t'enregistres pour le in-person. Tu vois, non? Donc, the in-person phase was in San Antonio, Sam Houston. Donc, mon Bolec, ça a duré, il me semble, 3 semaines, un truc comme ça. Et ils t'apprennent du mieux qu'ils peuvent, les basics de Donc, l'armée. disons, c'est accéléré, quoi. Genre, t'apprends. Oui, They oui. everything to you, like. Oui, parce que la première phase, au fait, c'est là où tu apprends sur l'armée, comment saluer, comment faire tout et tout et tout. Et tu apprends aussi concernant ton rôle dans l'armée. Qu'est-ce que tu feras quand ils ont besoin de toi, quoi. Donc, cette partie aussi, bon, tu fais ça selon ton temps. Mais moi, j'avais fait ça accéléré, il me semble, en 2 semaines. J'avais fini ça. Puisque moi, je voulais, quand j'étais allé, chaque week-end, quand moi, j'étais en train de faire les drills, ils me considéraient comme un militaire, mais puisque je n'avais pas encore passé mon Bolec, je n'étais pas à 100%. Donc, il y avait des trucs que je ne pouvais pas faire. Par exemple, on est allé au FTS. Ils ne m'ont pas laissé toucher le M16 parce que je ne savais pas comment manipuler le M16 ou M9. J'étais là Je seulement vois. en train de voir les gens tirer et faire tout et tout. Bon. Donc, moi, j'avais accéléré mon truc pour pouvoir aller au Bolec puisque le Next FTS, c'était en avril. Tu vois, non? Donc, moi, j'ai fait mon Bolec de février à mars et en avril, j'étais clé à 100% de faire tout ce que tout le monde faisait. Tu voulais pas aller Et regarder tout le monde, toi, tu voulais oui, participer à la oui. fête. Tu vois, parce que quand tu participes, tu es Plus toujours, intéressant. c'est plus intéressant. Et puis, tu feel more concerned, tu vois, c'est comme si. Exactly. Donc, le Bolec, c'était à San Antonio. Bon, en février, je me suis dit que bon, j'allais quitter le foie du Minnesota et aller à San Antonio, où il ferait peut-être beau, mais Yeah, non. généralement il fait beau là-bas.
Non, mais en février, comment j'étais allé, bon, c'était vraiment. Il faisait froid, il a plu et tout, bon, bon. Oh. Mais bon, c'est bon, c'est ça, bon. On nous a appris encore un peu des basics, comment faire le naviguer. C'est accéléré, tu vois, non? Parce que j'avais déjà vu ça sur. Quand je faisais la distance, distance phase. Donc, maintenant, c'était maintenant accéléré, bon, lane navigation. Et beaucoup. Combative Moves, Row 1, Row 2, Row 3, tous ces trucs-là, ben, c'était vraiment bien. Je me suis vraiment enjaillé, quoi. C'était vraiment bien. Bien sûr qu'il faisait froid, il a plu et tout, mais bon. Tu sais, quand tu es dans le groupe et vous soufflez ensemble, ça passe bien, quoi. Tu vois, non. Mais ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait le truc là, Gas Chamber, j'étais content parce que. Là. Le gas chamber là, ah, si tu veux, Là. je suis rentré là-bas, j'avais un rhume là, je suis sorti, le rhume était parti. Non. Le premier jour, quand il nous donnait le programme, il disait que bon, il n'y avait pas Gas Chamber, je me suis dit yes. Parce Alléluia. que avant que je n'aille au Bolek, je suivais des vidéos sur YouTube concernant le Bolek à San Antonio. Et tout ce que je suivais, il y avait le Gas Chamber. Tu les voyais sortir comme ça, like, Visage pleurer et tout et en train tout. de pleurer avant de mourir, c'était nasty, C'est ça, c'est ça. bro. Donc quand when the cadre told us that we don't have we won't be doing gas chamber, I was like, yeah, so I'm good, bring it on. So, mais c'était bien quand même. Il a plu, bon, on a dormi. Bon. Il y avait comment ils appellent ça? Sleep deprived. Tu vois, tu te lèves le matin très tôt, tu fais le truc, tu fais tout le truc avec et tu dors tard, tu te lèves tôt et tout. Bon, c'est Raconte-nous, c'est quoi, c'est how a day of like commission a day, genre, raconte-nous une journée entière, quand vous, depuis le début, depuis le réveil jusqu'au coucher, qu'est-ce que vous faites? Sur la première semaine, il me semble que la première semaine, quand on était allé, il y avait aussi un autre couple là-bas. Il y avait un autre couple là-bas et puis on a fait la connexion. Et la première semaine, il me semble que c'était seulement des classroom work. On se levait et on va dans le classroom, on fait des classroom work et puis on revient. C'était la deuxième semaine, il y avait le field training. Donc on s'est levé le matin très tôt, le lundi matin. On a pris le bus et on est allé. Comment ils appellent ce camp-là? Le nom m'échappe. Donc on est allé dans ce camp. Le nom m'échappe. Donc on a passé lundi jusqu'à vendredi là-bas et on dormait sous la tente. Bon, quand je dis tente, c'est pas un truc, c'est pas. Sleeping Bon. system. Non, tu vois, le big tent là, il y avait aussi. C'était bien, bon. Comparé au truc là, comparé. Quand on était à San Francisco, chacun avec sa chambre d'hôtel. Mais quand on va sur le field, il y avait une grande tente et tout le monde se couchait dedans sur des côtes. Et il y avait le AC système et aussi tout. Bon, c'était pas mal. On ne dormait pas par terre ou bien dans la brousse et tout comme ça. Ben, c'était sous le tente et on était beaucoup dedans. Bon, tu sais, tu fais avec. Donc, de lundi à vendredi, on faisait ça. Et le vendredi, après qu'on finit l'exercice sur le field training, on nous transportait back à Sam Houston. Et le samedi, maintenant, on fait encore classroom work. Le dimanche, c'était pour nous. Et on a fait ça sur 3 semaines. Lundi, vendredi, field work. Samedi, classroom. Et la troisième semaine, le dernier jour de field training, il me semble, on a gradué. On a fini très tôt le field training. Ils ont transporté back à Sam Houston. Et on s'est préparé pour le graduation aux environs de 14 h, un truc comme ça. Est-ce Donc, c'était pas. qu'on vous smoke? Est-ce que quand On. un peu comme au training, parce que au best training, somebody fucked up, you all fucked up, on vous smoke Oh, ensemble. Comment ça s'est passé this là-bas? they smoke like if someone does something bad, it's the whole squad or things like that. They Really? smoke you, but not as the same way I watch doing people doing it in basic training. Just il y avait oui, they smoke you, but mais pas comme au basic training où ils te crient dessus, ils font des trucs bizarres. Non, 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 non. Non. Ce qui est sûr, if someone messed up, it's either the whole squad or the whole group. Vous faites les push-ups ensemble et c'est fini, quoi. Et everybody has his bad body. Et tu sais, quand on est allé là-bas,
Je pense que le premier jour et le deuxième jour, chacun a eu son M16. OK. Et ils nous avaient donné le M16 sans la corde au cou et tout et tout. Donc, Le tu dois sling. le sling, donc tu dois avoir ça sur toi. Et il me semble que quelqu'un a oublié son truc dans un truc comme ça. Et puis, tu sais, quand on trouve ça, c'est C'est grave, la quoi. mort. Donc, exactement. Et aussi, quand on se levait, bon, on ne faisait pas les lits et tout. Donc, c'est bon, tu sais. Non, non, quand on ne faisait pas le lit, au début, on n'avait pas pris d'importance à cela. Et ils avaient dit que quand on quitte les temps, tout doit être nickel, tu vois, non? Donc, quand on va sur le field training, ils passent, ils inspectent. Et quand c'est désordonné, si tu habites dans cette tente, donc tu vois, tu fais le push-up ou bien. Oui, bon. Et puis C'était c'était pas mal. qui était genre est-ce que vous avez des soldats ou bien c'était des officiers qui vous entraînaient, c'était comment? Je ne peux pas les appeler drill sergeant. Et ils n'étaient pas tous des officiers. Mais quand même, la majorité, c'était des. Ils étaient. Certains étaient des retraités de l'armée. Et ils nous entraînaient, oui. Parce que des combative moves, tout ça, là, il me semble que tout le personnel, ils avaient c'était des militaires. Certains sont toujours en activité. D'autres sont retraités et ils nous entraînaient. C'est ça. Mais je ne peux pas les appeler des drill sergeants. Non, non. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire yes, Drew Soldier, no Drew Soldier, ou bien on vous dit Non, genre. non, 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 non. I mean, Ah, c'est cool. tu réponds quand ils te posent des questions, mais yes, nous, yes, sir, yes, sir, c'est ça. But yes, drill sergeant, non. Je ne peux pas les appeler des drill sergeants, mais puisque tu sais qui est ton supérieur, quand il te pose des questions, yes, sir, des trucs comme ça, quoi. Et on s'appelait sir, bon, tout juste pour faire le truc, là, mais quand on est entre nous et il n'y a personne, bon, tu peux m'appeler par mon prénom, et tu vois, non? Bon, c'est ça. J'étais toujours curieux de savoir comment ça s'est passé. Je voulais toujours savoir si les officiers aussi, comme nous les petits training. En tout cas, c'est un plaisir de Non, d'avoir mon insight. le point, c'est que il ne crie pas sur toi comme tu vois dans les vidéos. Il ne crie pas sur toi, mais quand même, il s'utilise une voix autoritaire pour te dire que c'est comme ça. Tu sais, c'est ce que tu fais, quoi. Il n'y a pas à discuter. Et puis, c'est pas qu'il crie sur toi et ils vont te faire pleurer. Non, 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 non. Mais quand même, tu sais que c'est pas une voix comme toi et moi, on est en train de parler maintenant. Tu vois, non. Tu sais qu'il y a de De l'autorité. l'autorité dans la Et voix. tu dois t'exécuter, c'est ça, quoi, c'est pas à discuter. Et puis bon, et il y a aussi le respect mutuel, c'est pas, non, il ne faut pas pleurer et tout, non, 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 pas ça. Bon, moi, en tout cas, moi j'aimais, mais il faut dire que depuis ça a changé, parce que moi, quand moi j'ai signé mon contrat en mars 2017, il me semble qu'en septembre de cette année, ils ont changé le truc. Donc, tout le monde maintenant qui signe après, ils vont au DCC. It's called Direct Commission Course. Tu vois, non? Après le Direct Commission Course, c'est en ce moment que tu vas au Bolek. Tu vois, peut-être que je ne suis jamais allé au DCC, donc peut-être que c'est là qu'ils vont peut-être smoke ou bien crier sur toi, mais je ne sais pas. Moi, je suis allé directement au Bolek pour 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. C'est tout ce que moi j'ai fait. Maintenant, tu as gradué et maintenant YouTube you become like second lieutenant. Maintenant, tu es capitaine. Raconte-nous en fait comment c'était like the first time quand tu arrives second lieutenant dans une unité. Est-ce que tu vois les E7, les E6, tu vois comment Non. how is it? Comment se passe? Est-ce que parce que je sais que généralement as un lycée, généralement, je sais que les second lieutenant, quand ils viennent d'arriver, on sait tous qu'ils ne connaissent pas le travail. Parce qu'on sait que, like, they're just brand new and they don't really know how the army works. You're right. In my case, you are totally right, because the only information I knew about the army was on YouTube. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, comment saluer les pas et tout, et c'est parce que je ne voulais pas aller là-bas sans. Sans background ou bien sans like knowing Exactement. exactly what you're putting yourself into. Exactement. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant, quand j'étais au travail, il y avait tant mort, je voyais les trucs sur YouTube, je suis allé au Bolek. Et maintenant, bon, bien avant le Bolek, j'étais dit que j'avais déjà commencé par faire le drill. Mon premier drill, c'était en mai.
Donc, je vais pas dire ce qui s'est passé ce jour-là parce que c'était. Maintenant, quand j'y pense, c'est vraiment. It was really embarrassing. But, yeah, je peux pas dire ça. Donc, je suis allé, je me suis présenté, tu sais, la première fois dans l'uniforme. Tu fais ton truc là. Et c'était ce jour-là, il me semble qu'il y avait comme un change ceremony. Il y avait beaucoup plus de normes que d'habitude. Sans un moment, tu vois, tu sais, like full bird, you know, captain. Le big dog. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'étais vraiment zéro. Like, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Donc, moi, j'avais mon. Tu sais comment on appelle les second lieutenant, les butter bar, you know? Donc, moi, j'avais mon truc là sur ma poitrine, tu vois, celui avec deux barres, deux black bar, one black bar, tu vois, le truc, le major et tout. Donc, je savais tout ça, mais. Quand tu vois ça, c'est différent. Et quand tu vois les personnes dedans, tu dis que oh, donc ce gars-là, il est comme ça, quoi. Donc, ils m'ont dit, c'est comme ça, voici ton unité. Pour le moment, tu seras avec First Squad, et blablabla. Et ils te paient avec une personne qu'ils appellent. Comment ils appellent ça? C'est pas un mentor. C'est. Quand tu viens directement là, ils te donnent quelqu'un qui te. Un sponsor. Exactement. Donc, cette personne te dit comment tu peux ton email, tu sais, les petits trucs là, quoi. Donc, cette personne m'a dit, bon, tu sais, just stay next to me. Whatever I do, you do, you know. And then when they say, like, attention, you know, all that trick, I just, the person next to you, just follow what they are doing. Attention, at ease, tous ces commandements là. Donc, j'ai appris ça sur le tas parce que je ne suis pas encore allé au bolek, tu vois, non? Donc, j'étais seulement en train de copier du mieux que je peux comment attention position, Attention, at ease, progress, Paris, exactement. Donc, j'étais à côté de mon truc là, puisque elle était le squad leader. Donc, j'étais à côté d'elle et je copiais seulement. Donc, c'était comme ça mon premier week-end. Et vraiment, on a passé pratiquement. Puisqu'il y avait comment change ceremony, tu vois, non? Donc, on était resté debout, je ne sais même pas combien de temps. Et mes pieds me faisaient mal parce que c'était. It was a That new shit, c'est it is boot. uncomfortable. Tu vois, non? It was a new boot. It was not broken. And my leg were hurting. I didn't know that you don't have to lock your knee. So I locked my knee at some point. I was like, damn, man, what is this? About to pass out. Tu ne peux pas demander d'explication. Tu es là seulement debout et ça. ils font le truc là. Celui-ci reste devant toi. Ils disent, OK, just like 30 minutes later, formation. Et on est là, on les attend, et finalement, ils ont fait le change ceremony, but by then, my leg were killing me, you know. But, you know, it was a learning experience, I learned, and yeah, c'est ça. En tout cas, rien que pour ça, je suis content d'être PAO de mon unité parce que I'm the one taking pictures, so I don't have to be in formation, so I can just be Oui, tu, walking. non, tu sais, le premier jour, au fait, je comprenais, mais je ne comprenais rien, tu vois. Non? Donc, c'était vraiment facile de se focaliser sur la douleur des pieds parce que c'est ça, les pieds faisaient mal et la chaussure aussi était un peu inconfortable parce que je n'avais pas. J'étais allé au pièce et la première boot que j'ai vue, j'ai acheté sans savoir vraiment qu'il fallait porter plusieurs pour pouvoir différencier le truc là. Donc, C'est oh, bon. donc vous n'allez pas au CIF, like the army doesn't issue you like uniform and Non. all those stuff. Non. Tu paies tous tes trucs. Tu paies tous tes trucs Oh. par toi-même. Tu paies ton habit. C'est pas comme les enlistés où on leur donne tout. Tu paies ton habit, tes bottes, even your service uniform, everything is on you. Il me semble qu'ils m'ont dit qu'ils te donnent 500 $ de voucher, tu comme ça, mais quand tu ajoutes tout, c'est plus de 500 $ C'est plus, that's true. que tu dépenses. Donc, oui, on paye nos propres trucs. L'habit et les chaussures, c'est nous-mêmes, mais le sac et tout, c'est those are issued to us. Mais ce que tu portes sur toi, c'est Tout en toi-même, you. quoi. Ok. Oui, c'est ça. Et maintenant, en 5 ans en tant qu'officier, maintenant tu es capitaine,
comment ça a changé since then and what is est-ce que c'est un truc que tu es fier d'avoir fait et s'il fallait le faire, est-ce que tu le referais encore? Bon, pour dire vrai, s'il fallait le refaire, je vais encore le refaire à nouveau parce que, tu sais, les gens pensent que quand tu veux joindre l'armée, moi, vu mon expérience, quand tu veux joindre l'armée, il est vrai que tu dois avoir un minimum. Mais la principale chose que tu dois avoir, c'est la motivation. Tu vois, non? Tu dois avoir la motivation. Et cette motivation te donne la raison. Et cette raison te permet de pousser. Donc, quand j'ai commencé avec le second lieutenant, juste après que j'ai fini le bolek, ils m'ont promu au first lieutenant. Donc, j'étais first lieutenant jusqu'au 12 août passé. Donc, vraiment, ça, it's just a rank. But beaucoup de choses ont changé, mais moi, je ne me considère pas comme un truc. Bon, c'est toujours bon quand tu vois que vraiment tes efforts sont en train de payer. Et c'est pour cela, si c'est à refaire encore une fois, je ne vais pas hésiter parce que moi, depuis 2017, j'ai pas vraiment de raison pour laquelle je ne vais pas encore le faire parce que l'armée m'a donné certains trucs que je ne pense pas que j'aurais pu avoir ces choses si je n'avais pas emprunté ce chemin. Et puis, bon, je ne sais pas parce que c'est seulement l'option que j'ai à faire. Et comme je te l'ai dit, l'armée réserve les conditions qu'il m'avait offertes en ce moment. Ça allait. Ça Ça, ça. allait avec ce que tu recherchais en fait. Oui, en ce moment-là, ça. J'ai joué l'armée parce que les conditions qu'il m'avait données, c'était bon. Mais une fois quand tu joins, quand tu commissions et tout, tu trouves d'autres raisons plus que ça. Tu vois, non? Donc, après, j'ai fini par trouver. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Et j'ai saisi ces opportunités. Je me suis fait des amis. Et même la dernière fois, quand j'allais faire le truc là, quand j'allais continuer mes études, il y avait un de mes supérieurs dans l'armée. C'est lui qui m'a écrit une lettre de recommandation. Tu vois, non? Et cette lettre de recommandation, vraiment, quand tu vois ça, c'est que tu dois accepter ce monsieur, quoi. Tu vois, non? Donc, les relations et la camaraderie et les opportunités, c'est vraiment un truc que toute personne qui est dans l'armée ou bien dans le service militaire doit essayer de profiter de ça, quoi, tu vois. Donc, il sait refaire, j'allais le faire. Capitaine, second lieutenant, on voit mon parcours de second lieutenant à capitaine. Effectivement, je suis vraiment content parce que je n'aurais jamais imaginé être là en ce moment. Parce que avant l'armée, je n'avais pas d'expérience. Je pouvais à peine courir. Je pouvais à peine courir, tu vois, non? Mais maintenant, bon, j'essaie de mon mieux, je cours du mieux que je peux. Tout ce qui me demande de faire, je le fais. Et s'il y a à faire plus, je le fais. Ils te disent que, bon, durant le FTS, tu es en charge de ceci. Si je ne sais pas comment tu vas faire, tu demandes des informations. Et ils t'aident du mieux que tu peux. Et toi aussi, tu fais ce que tu peux. S'il y a à faire plus, tu fais plus. Et tu vas à la maison, tu rentres chez toi. Donc, je suis vraiment content de la position que j'ai. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 5 ans, je suis ici. Bon, on gère et on continue du mieux qu'on peut. That's good, c'est vraiment bien. Maintenant, tu as parlé d'opportunités. Quelle opportunité l'armée vous a donné? Quelle opportunité l'armée t'a offert qui t'a permis au fait de to better your life? D'abord, il y a le truc, l'assurance santé, parce que comme l'armée réserve, tu fais le truc de week-end et tu as aussi ton truc, comment Ton on dit, regular job on the ton side. regular job lundi à vendredi. Donc, quand je pense à ces deux trucs concernant l'assurance que mon job, mon travail me donnait, c'était, il me semble que tu payes 300 quelque chose par toutes les 2 semaines. What? Pour toute ma famille, tu vois, non? Ok, bon, Donc, toute la famille, bon. oui, non, pour toute la famille. Il me semble un truc, c'est quand même entre 200 et 300, un truc bizarre, parce que moi, je n'ai même pas prêté attention parce que je n'utilise pas ça. Toutes les 2 semaines. Donc, ça fait par mois, tu as 600 ou bien un truc comme ça que tu paies pour l'assurance, tu vois. Mais avec l'armée, je paie moins de ça avec l'armée. Par mois. Je paie le tiers de ça. Je paie le tiers de ce que le truc là me donne par mois. Et c'est pour toute la famille. Donc, c'est un. De deux aussi, il y a aussi d'autres opportunités. Par exemple, si tu veux
continuer tes études, la mère aussi t'aide du mieux qu'elle peut. Soit ils peuvent t'aider à payer part de ta scolarité, ou bien si tu es, if you are qualified, they can pay the whole thing. Et aussi, il y a aussi la main aussi offre des écoles. Tu vois, non? Dans mon cas, je veux parler de physician assistant. Right now, I'm working on my master's in physician assistant. Et la main a une école pour ça. Tu vois, non? Malheureusement, j'ai déposé ma demande et tout, mais ça n'a pas passé. Ils m'ont mis sur le waiting list. Tu vois, c'est une opportunité. Et cette école, elle est vraiment prisée aux États-Unis. Quand tu as accepté là, bon, c'est bon pour toi. C'est une opportunité. J'ai aussi un ami. Actuellement, il est mon platoon leader. Le gars, il est allé, truc là. Il est aussi medical laboratory scientist comme moi. Mais avant de devenir medical laboratory scientist, puisque lui, il était enlisted, il a fait les deux ans de medical laboratory technicien. Il me semble que l'armée aussi a une école pour ça. Donc, lui, il a été formé par l'armée pour devenir laboratoire. Tu vois, non? Donc, c'est aussi une opportunité. L'armée aussi a un truc aussi pour les nurses. Donc, c'est que quand tu rentres dedans et que tu frappes aux portes et tu leur dis ce que tu veux devenir, ou bien ton plan, ils vont t'aider du mieux qu'ils peuvent À réaliser tes projets. à trouver ton chemin. C'est à toi maintenant de savoir, où se trouve l'information, en fait. C'est ça, c'est l'information vraiment qui est parfois difficile à trouver, mais bon. Oui, bon, ce qui est sûr, il y a beaucoup plus de, il y a des opportunités dedans que vraiment, je ne pense pas que, bon, je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas tenté le civil, donc moi, je ne, c'est ça. Et je ne me plains pas des opportunités que l'armée m'a offertes en ce moment, et j'espère en profiter, et j'en profite. Et si possible, s'il y a plus que ça, moi je suis prêt à les accepter. Ah, c'est Tu ça, vois, non? on refuse pas le manger, sans qu'à venir, Non. que ça vienne, Donc, que ça non. vienne, que ça vienne. Donc, c'est ça. Mon contrat, c'est pour 8 ans, 6 ans active reserve, et then 2 ans inactive reserve. Donc, l'année prochaine, il me semble que je vais finir mes 6 ans. Et ça dépendra de ce qu'ils offrent. Et si je vois que vraiment, ça m'avantage, et on va voir si on peut continuer ou pas. Mais bon, pour le moment, moi, je suis en train de profiter du mieux que je peux. Je suis en train de. I'm trying to have fun as much as possible, It's fun. Je vois, It's fun. j'écoute. En tout cas, comme il a dit, l'information, c'est information is everything in US. C'est la raison pour laquelle j'invite des gens qui sont dans leur domaine, qui maîtrisent leur domaine, qui ont un parcours spécifique. Et à force de parler avec eux, on apprendra beaucoup. Et puis, ça vous permettra aussi à vous, plus tard, si vous venez aux États-Unis, bien si vous êtes aux États-Unis, c'est de figure out, de pouvoir bénéficier de cette information. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je vais chercher des gens. Parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être fait les choses là, différemment s'ils avaient eu l'information, la bonne information. Et yeah, honestly, thank you for being here. Really, I really appreciate you. Tu sais aussi, comme tu l'as dit, c'est vraiment primordial l'information. C'est que c'est vraiment dommage. Parfois, il y a des gens qui ils ont l'information. Ça m'est arrivé. Ils ont l'information, mais ils ne vont pas partager cela avec toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que. Ils ont peur qu'un jour tu fasses mieux qu'eux, en fait. C'est juste ça. Non, ce n'est pas ça. Chacun a sa voix. Donne-lui l'information et il fait ce qu'il veut avec, mais tu la gardes. Pourquoi? Parce que tu ne l'utilises pas, lui il veut l'utiliser. Donc, donne l'information. Tu vois, non? Donc, et aussi, pour mes frères, bon, je parle de mes frères togolais, bon, le togolais en particulier et l'Africain en général, c'est que les gens pensent que puisque nous parlons de l'armée, ils pensent que quand tu joins l'armée, c'est comme tu signes ton arrêt de mort. Tu vois, non? Donc, moi, dans mon cas, sans te mentir, quand moi je faisais toutes ces démarches-là, personne ne savait. Personne. Parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai arrêté mon plan parce que je me suis dit que bon, l'opportunité ou bien bon, l'offre que l'armée réserve me donnait en ce moment-là, ça coïncidait bien avec ma vie en ce moment et là où j'aimerais être. Donc tu vois, non? Donc j'avais arrêté mon plan sur ça et je n'aimerais pas que quelqu'un vienne et me détourner l'idée sur ça. Parce que des fois,
Quand tu vas vers eux, tu dis que c'est comme ça, j'ai l'intention de joindre l'armée, ils vont ils ont dit ça. Ils ont après quand ils ont su, ils ont dit ça. Et je leur ai dit, là, et ils m'ont dit, oh, tu faisais tout ça et tu ne m'as rien dit. Même ma mère, Wow. elle était avec moi en ce moment-là. J'étais sorti, je vais le matin, je vais faire mon truc, je reviens et tout et tout. Le jour où elle a su, c'était le jour où j'allais faire mon truc là. La signer. Non, j'ai dit à signer. Le jour où elle a su, c'est que quand j'allais faire le truc là, La commission. office. Oh, what? Donc, elle Oui. n'a rien su jusqu'à ce Non, que non, tu... non. Parce que. Wow. Et bon, je me suis dit que bon, c'est un choix que j'ai fait. Parce que je n'aimerais pas qu'on me dise que tu seras. Pourquoi tu veux faire ça? Ils vont te tuer, tu Bizarre. seras le. Quelqu'un Parce a qu'ils ont dit dit un ça, jour, ils ont dit que bon, quand il y a guerre, ce sera vous les Noirs, ouais, c'est les premiers, vous les serez mis en noirs, première ligne et et puis tout et on vous met tout. Bon, devant à vos oreilles. exactement, j'ai écouté tout ça après que moi j'ai fini tout et tout. C'était trop tard. Tu me dis ça maintenant pourquoi? C'est trop tard parce que moi je ne peux plus faire marche arrière, tu vois, non? Donc c'est pour dire que les idées que c'est faux, en fait. Si tu veux, je ne dis pas que l'armée c'est le paradis. Non, je ne dis pas ça. Ça, c'est plus et c'est moins. Mais si tu veux faire quelque chose et tu sens que tu pourras passer par eux, et si tu veux aller au point B et tu vois que tu pourras passer par eux et aller au point B plus facilement, pourquoi ne pas l'utiliser? Tu vois, hein? Moi, j'étais à un point A, je voulais aller au point B. Et l'armée me dit, OK, si tu viens avec nous, Nous sommes le pont qui va t'aider à traverser du point A au point c'est ça. B. Exactement. Il m'a dit, oh, si tu viens avec nous, on va t'aider à aller au point B et toi aussi tu nous aides. Je me suis dit, ce serait facile pour moi et le temps avec eux d'aller au point B sera vraiment plus court, quoi. Et c'était donnant-donnant. Donc C'est ça. c'est ça. Plus tard, les gens ont appris ça. Il me dit que c'est comme ça. Lui aussi, il est parti joindre l'armée, des trucs bizarres, bizarres. Bon. Moi, j'ai écouté, bon, c'est que c'est ça, quoi. Si tu veux vraiment, il faut savoir où aller voir, où aller trouver ton information et à qui s'adresser. C'est ça. Parce À que, qui s'adresser? Vous adressez aux bonnes personnes parce que exactement, on exactement, risque de parce se que décourager. c'est ça, au fait. Ils vont te décourager parce que notre Mais manque culture. d'informations parce qu'ils ne savent pas. Parce que, et ce qui m'énerve, c'est que la plupart des gens qui font ça, c'est que c'est des gens qui ne sont même pas dans le domaine. C'est-à-dire C'est ça. Toi, ils moi, savent. maintenant. Toi, non, maintenant, on peut s'asseoir et on peut discuter sur l'armée parce que tu as de l'expérience sur ça et moi aussi j'ai l'expérience. Mais quelqu'un qui ne sait même pas porter l'uniforme, qui n'a jamais fait truc, pourquoi maintenant tu vas me dire, pourquoi maintenant tu vas essayer de me dire que sinon, parce que tu n'es pas dedans, tu ne connais personne qui. Tu vois, donc, m'asseoir, bien sûr que je respecte ton âge et tout, je vais t'écouter, mais au fin fond du problème. Tu es en train de seulement de parler pour rien parce que avant que tu ne me dises quelque chose, il faut au moins avoir vraiment l'expérience. Au L'expérience, moins dans certains domaines, il faut avoir l'expérience. Tu me dis que l'armée est mauvaise. OK. Pourquoi tu me dis ça? quelle est ton expérience? Pourquoi? Qu'est-ce que tu Oui. sais, qu'est-ce que tu en sais? Parce Qu'est-ce que que tu tu as sais de écouté, l'armée, en fait? parce que tu Voilà. as écouté cette personne dire ça, parce que tu as vu sur la télé, ils ont tué. Tu sais, on n'est pas militaire pour tuer. Tu vois, non? C'est ça. On ne t'entraîne pas pour aller tuer. Et ils me disent que, bon. Tu seras le premier à être envoyé, blablabla. Il faut tous qu'on meure un jour, tu vois. C'est Non? ça. Et si c'est là mon truc là, bon, c'est bon. Ceux C'est qui ça, sont quoi. allés avant nous et qui ont été tués, paient à leurs armes, est-ce qu'ils ont fait ce choix? Ils n'ont pas fait le choix, ils n'ont pas fait, ils ont fait ce choix, mais c'est pas que ils sont allés, ils ont écarté les bras pour être. Non, tu vois. Non? Donc, essayons de ne pas décourager les gens. Si tu vois que de A à B, ils peuvent t'aider. Utilise-les si tu veux, mais ne décourageons pas, ne forçons pas, sachons où aller demander l'information. Et c'est comme ça, quoi. Moi, je suis là. Si quelqu'un a besoin d'information, si cette personne vient vers moi, je vais lui donner l'information que moi j'ai en temps réel. Tu vois, non? Et aussi, il y a un deuxième, oh, ça me revient, un de mes amis, lui, il est infirmier, he's a nurse. He came to me with the same thing. Tu vois, je lui ai dit, c'est comme ça que moi j'ai fait. Mais ce serait mieux si. Tu vas voir le recruteur. Et lui et moi, on est parti voir le recruteur ensemble. Et le recruteur lui a donné l'information en temps réel. Tu vois, non? Bien sûr que je lui ai donné l'information que moi j'avais en ce moment. Mais c'était mieux pour lui. Je lui ai montré la porte du recruteur, le numéro de téléphone et tout et tout.
Et je l'ai même accompagné là-bas comme ça, pour qu'il sache au moins le premier pas. Demain, quand il ira là-bas, il peut aller là-bas sans moi. Il a fait le truc, il est allé après plusieurs fois sans moi, mais malheureusement, il n'a pas continué parce que, bon, il a décidé d'abandonner après. Donc, c'est ça. Je vais te donner l'information, mais je vais aussi te donner l'information d'aller directement voir le recruteur parce que les choses changent de jour au jour. Tu vois, c'est ça. En tout cas, sincèrement, tu as totalement raison. Il faut vraiment qu'on change notre mindset, la part selon lequel on dit, un rappeur a dit ceci, il dit, en Afrique, on t'encourage à commencer à te décourager. Oui, c'est ça. Et puis aussi, il y a aussi un truc que les gens ne comprennent pas. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Tu vois, non? Ils voient la personne de la tête aux pieds. Et ils voient cette personne. Cette personne, qu'est-ce que cette personne a à m'offrir? Les gens pensent que pour jouer dans l'armée, tu dois être 6 feet tall, tu dois être trapu, tu dois être like, robuste et tout et tout. C'est bien beau. Si tu as tout ça, c'est bon. C'est bon. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu vas vers eux, ils ne vont pas te retourner. Si tu m'as vu, moi, je fais à peine 5 feet one. 5 feet one. Même mon père, il m'a dit, like, qu'est-ce qu'ils ont vu en toi pour te nommer capitaine? Ouais, Tu vois, non? parce que t'es gauche chez nous, hein, c'est la taille importante. On dit C'est que ouais, tu ça, dois être la grand de taille. taille, Tu blablabla, dois être robuste. robuste, la taille et tout. Même mon père, il m'a dit ça. Je lui ai dit que c'est comme ça, tu vois, non? C'est pas parce que tu n'as pas la taille ou bien tu es maigre et tout, qu'ils ne vont pas t'accepter. Ils vont On te voit tes voir. compétences, on voit en fait ce Ils que tu. vont te voir de la tête aux pieds. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? S'ils aiment ça, ils vont prendre. Moi, dans mon cas, je sais qu'ils ne m'ont pas pris parce que je n'ai pas la taille, je ne suis pas robuste, mais ils m'ont accepté en fonction de quelque chose que j'ai et ils ont besoin de ça en ce moment. Tu vois, donc si tu veux joindre l'armée, oublie tous ces trucs-là. Je suis maigre, je suis. Quand je suis allé au MEPS, il y avait un type avec moi. Le gars, il était vraiment en forme, quoi. Tu vois, non? Il était un peu en surpoids. Tu sais la question qu'on lui a posée? Est-ce que tu peux courir? Il dit oui, je peux courir. Donc, c'est l'essentiel. Parce qu'ils savent que lui, il allait en liste. Ils savent qu'à la fin de son basic training, il va perdre du poids et il sera dans le truc-là, quoi. C'est Donc, ça. dans la mesure où il a pu passer ses examens médicaux, le MEPS et tout, ils l'ont pris. Et je suis sûr que cette personne-là, après le basic training, il va perdre du poids et il sera. Tu vois, donc c'est pas. Quand tu as le minimum, tu ne dis pas aussi. Bon, quand je dis prendre du poids, faut pas être vraiment. Vraiment. Tu vois, non? Il faut au moins avoir le minimum. Et maintenant, vas-y. Ils vont te dire, OK, tu as quelque chose qui m'intéresse. Je vais te prendre en même temps. Dans le même temps, il y avait aussi une personne qui faisait le truc avec moi. Ils lui ont dit que vraiment, ton poids en ce moment ne correspond pas à nos critères. Va et perds un peu du poids. On ne te demande pas Reviens. d'être à 100%. Perds un peu du poids et reviens. Et on va commencer par là. Tu vois, donc, ils n'ont pas retourné. Ils l'ont dit d'aller et de revenir. Tu vois, quand tu as quelque chose que tu sens que tu peux leur être utile, vas-y. C'est à eux de te dire non, oui ou Non. non. Mais pas à la personne Directement dit non, que d'à non. côté. Non, pas le Qui ne voisin sait d'à même pas côté. de quoi il parle, en C'est fait. Parce ça. que C'est c'est, je ça. pense que Pas c'est aussi le. le problème. En Oui. Afrique, on a cette culture selon laquelle nous-mêmes, comme on parle à la place des gens qui doivent parler. C'est-à-dire qu'au lieu Exactement. d'aller essayer, on te dit que bon, ça ne marche pas, on te dit, ah oh non, c'est ce qu'on va prendre. C'est ça. Alors que, peut-être que tu peux arriver, même si on ne te prend pas, on peut te donner une alternative ou bien peut-être un plan B. Ah non, en tout cas, on peut te Tu as donner des raison, idées. c'est ça. C'est que ne va pas vers la personne de voisin d'à côté. Non. Si tu vas vers l'information, quand tu vas vers l'information, ils te donneront l'information. Je parle en général. Ils te donneront l'information que tu as besoin. Si vraiment c'est de ça que tu as besoin, ils te diront. S'ils ont l'information, ils te diront que oui, voilà l'information que tu as besoin. Mais en ce moment, l'information dont tu as besoin, nous n'avons pas ça avec nous. Mais peut-être cette personne ici aura l'information. Et voici comment contacter cette personne. Tu vois, s'ils n'ont pas l'information, ils te guident au moins vers l'information. C'est ça. Mais dans notre cas, c'est comme s'ils te disent vraiment non directement que,
Le voisin te dit On ne non, cherche toi même tu pas es. à t'aider. On te dit non, je ne connais pas, vas-y, laisse-moi tranquille. Exactement, toi tu es trop gros, tu n'es pas intelligent, tu es sûr si le peuple ne peut pas t'entendre, ils vont seulement te refouler et tout et tout. Mais le gars, là, il ne connaît absolument rien de ce que tu lui demandes. Tu vois, donc, mes frères et sœurs, va vers l'information. Moi, je te donne l'information en fonction de mon expérience. Toi, maintenant, quelqu'un va venir vers toi et tu lui donneras l'information en fonction de ce que tu vois. La dernière fois, tu as parlé avec le capitaine Torso. Lui et moi, on a fait le bolek ensemble. On s'est rencontrés le dernier jour. C'est en ce moment que je lui faisait part de mon intention, puisque lui il a utilisé les codes de l'armée, tu vois. Non, c'est en ce moment que je lui faisais mon plan. C'est comme ça que j'ai appris l'armée à ce truc-là. Est-ce que c'est vrai? Il me dit que effectivement c'est vrai, c'est ce que moi j'ai utilisé, tu vois. Non, de là, lui et moi, on a commencé par tisser, on a commencé par là, et il m'a montré comment faire, tu vois. Non, il m'a mis sur la route et il m'a indiqué d'autres personnes. Et c'est comme ça que lui et moi, on a gardé le contact. Parce que si je ne l'avais pas dit que c'est comme ça, mon intention était Tu n'aurais jamais su. comment, je n'aurais jamais su. Et Et il puis m'a dit que. tu n'aurais pas su rencontrer ces gens auxquels il t'a référé pour dire, ah, peut-être va vers chez ces personnes, ces personnes pourront mieux t'aider. Exactement, exactement. Donc, mon point est que quand tu as. Il faut exprimer ta demande. Et savoir où l'exprimer et savoir qui t'aider. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Sincèrement, c'est vraiment important. En tout cas, venant d'un grand frère, c'est la raison pour laquelle je suis content de faire ce genre de vidéo parce que I got chance to talk to people who are pretty open-minded, gens ouverts d'esprit. Et ça change au fait de d'habitude parce que la plupart des gens, au lieu de. Au lieu, même. Je, anyway, on va s'arrêter là-bas. Non, non, c'est l'information, tu vois. Moi, je n'ai aucune gêne à partager l'information que j'ai parce que je t'avais dit, quand on a commencé, il y avait un de mes amis qui m'avait posé cette question-là. Si j'ai l'information et je la gardais avec moi, et cet ami-là remettait l'argent pour qu'on lui fasse le visa et tout et tout, et en fin de compte, il n'a pas gain de cause. Comment j'allais me sortir? Parce qu'on ne lui demandait pas 1000 francs, on ne lui demandait pas 5 dollars. Tu sais, on lui demandait une somme conséquente et cette personne-là était prête à remuer si elle était pour trouver cet argent et faire ce papier. Heureusement qu'il savait que moi, j'étais déjà dans l'armée et il s'est approché vers moi et je lui ai dit que mon frère, les États-Unis, c'est pas ça. Tu vois, non? Moi, mon exemple maintenant, ils ont fait des enquêtes terribles sur moi que je ne sais même pas. Je me suis assis avec une personne, on a fait interview pendant plus de 5 heures de temps. Oui. Oui. C'est pour te dire que ce n'est pas un truc à la légère. Donc, eux venir au Togo, en Afrique, là-bas, pour dire que non, non, non. Ils ont plein de monde ici. Donc, c'est bon d'essayer de venir aux États-Unis. Mais il faut savoir utiliser la bonne route pour ne pas être dans de mauvais draps après. Donc, c'est ça. L'information, elle est vraiment importante. Tu vois, elle est vraiment importante. Donc, c'est toujours plaisir de la partager quand moi je l'ai. C'est important, sincèrement. Je pense que c'est la seule manière qu'on peut faire avancer notre communauté, aussi nos frères aussi qui viennent d'arriver derrière, parce que plus l'information est disponible, plus les gens feront moins de bêtises ou bien moins d'erreurs, et mieux ils vont rapidement réussir. Et puis, hey, c'est gagnant-gagnant, quoi. Parce que quand tu as l'information, déjà toi, ce n'est plus important, tu ne l'utilises plus. Genre, Oui, à quoi ça te oui. sert? Partage. Exactement. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent emprunter la route que nous autres, on a déjà emprunté. Par exemple, quand tu as l'intention de joindre l'armée, il y a des trucs que tu ne dois pas faire. Tu vois, non. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça, mais en chemin, ils ont été bloqués parce qu'ils ont eu des problèmes dans le passé. Tu vois, non. Tout le monde a des problèmes. Mais il y a certains problèmes que. Quand tu tombes dans le truc de la loi ici, il y a certains trucs là. Quand tu fais ça et que tu veux aller dans l'armée, ils vont te dire zéro parce que ça, c'est non, non, non. Tu vois, non? Moi, j'ai eu le truc. Nous tous, on sait ce que c'est d'avoir le speeding ticket et tout et tout. Ces trucs-là, ça passe. Mais plus que ça, donc, c'est bon de leur faire savoir que, bon, si c'est ton intention, il faut savoir où mettre les pas. C'est pas Attends, dit. tu viens de me donner une idée. Genre, faut dire qu'on fasse une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut éviter Non, avant d'intégrer l'armée. Non, non, ça, mais je ne suis pas. Oui, je ne t'en suis fais pas dans la pas. loi.
je ne suis pas dans la loi, mais je sais que il y a des trucs que quand tu fais, toi, tu sais ça. Quand il y a des trucs que tu as, non, ils te disent non. Dans le même temps, s'il y a une personne qui a l'intention de faire ça, tu lui dis, hey, mon frère, si ton intention est de venir ici et d'être à ce poste-là, il faut faire attention. Évite ça, évite ça, évite ça, évite ça. Donc, la personne, quand tu lui dis ça en ce moment-là, elle sait où mettre les pieds. Tu vois, hein? Donc, quand tu gardes l'information et en fin de compte, la personne te dit que c'est comme ça, il veut faire ça, et tu n'as pas, et tu ne l'as pas partagé avec elle. Maintenant, comment veux-tu aider cette personne? Tu vois, hein? Donc, c'est ça. C'est ça. En tout cas, je viens d'avoir un autre sujet. Ça fait ça, c'est tout ça. Thank you. Vas-y. Si vous êtes en commentaire et si vous avez des questions pour le grand frère, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vais les prendre comme ils viennent. Et voilà quoi. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des grands frères et puis apprendre de leur expérience. Donc, peu importe vos questions sur l'armée réserve surtout, parce que la plupart des gens que je reçois, ils sont dans l'actif doré. Donc, lui, il est armée réserve. Donc, si vous avez des questions sur l'armée réserve ou bien comment devenir officier dans l'armée réserve, c'est le moment de les poser et je pourrais les relayer à notre invité. Il y a une question qui demande, quelqu'un demande, si tu es rentré dans l'armée, déjà marié et des enfants? Je suis... Oui. Quand j'ai fait le truc là, j'étais déjà marié et ma femme était enceinte de notre premier, de mon fils. Donc, oui. Je me suis marié après. Je me suis marié en 2015. J'ai joué l'armée en 2017. Oui. D'accord. Et moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2017 aussi. Oh. Ça passe vite. Ça passe vite. Trop vite. Moi, je dis, waouh, déjà, hein. C'est ça. Hein. Ça passe vite. C'est bon. C'est bon. En tout cas, n'hésitez surtout pas à laisser des questions. En entendant qu'il y a des questions, si tu as un conseil, as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui veut arriver aux États, qui arrive aux États-Unis, qui a envie d'intégrer l'armée, bien qui veut peut-être être comme toi, passer par le même chemin que tu as passé pour être là où tu es, parce que je pense que tu es une inspiration. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui ont des backgrounds différents et de voir comment ils ont réussi à braver les difficultés jusqu'à arriver au sommet. Donc, est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui arrive avec le visa étudiant aux États-Unis, qui a peut-être un jour l'intention d'être comme toi, que le dirais-tu? Tu sais, c'est pas facile. N'importe où tu vis ou n'importe où tu atterris, tu dois penser, c'est pas facile. Donc, parlant des États-Unis, bon, en général, tu dois vraiment avoir la tête sur les épaules, savoir ce que tu veux et aller chercher ce que tu veux. Bon, ils me l'ont dit quand je suis arrivé ici. Des fois, quand on te le dit, tu prends un peu à la légère. Mais quand tu les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, faut avoir la tête sur les épaules, savoir ce que tu veux et aller vers ça. Ne pas perdre le temps. Si tu es venu ici avec un visa étudiant, pour savoir que tu es venu avec un visa étudiant et si tu veux rester, tu dois faire tout ton possible pour essayer de trouver les moyens qui vont t'aider à rester. Si tu es venu ici pour bosser, tu sais que tu es venu ici pour bosser, donc tu te mets dans la bosse, tu es venu ici pour travailler, donc c'est ça, tu travailles. Bon, c'est que faut savoir pourquoi tu es ici et fonce vers ça. Bon, en matière de l'armée, si tu veux joindre l'armée, encore une fois, dans mon cas, moi, je l'ai joint parce que j'avais le bachelor degree et l'opportunité qui m'était offerte en ce moment de passer directement de zéro à je ne sais quoi. J'avais vu que c'était vraiment une bonne opportunité et je l'ai saisi. Et je ne regrette pas. S'il était encore à le faire, j'allais le faire. Donc, si tu as un diplôme, si tu es aux États-Unis ici et que tu as un diplôme dans le domaine de la médecine, pharmacien, docteur, n'importe quelle spécialité, physician assistant, nurse et tout, et que tu veux faire ce truc-là, je vais te conseiller d'aller parler à un medical recruiter. Si tu vas sur Google, tu tapes Army Medical Recruiter, tu vas les voir. Et ce n'est pas seulement l'armée qu'il y a, il y a aussi l'Air Force, le Navy et tout et tout. Donc, si c'est l'armée qui t'intéresse, tu vas voir l'armée, si c'est le Air Force, en fonction de ton plan. Tu vois, non?
Si par exemple ton plan est si c'est l'Air Force qui va t'aider de A à l'aide que le Air Force t'offre d'aller de A à B, si cette aide est meilleure comparée à l'armée, moi je vais toujours aller vers celui l'aide qui m'accompagne T'arranges. en premier, tu vois, non? Donc c'est pas seulement l'armée qu'il y a, et puis il y a beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin d'être militaire pour aller à ton point B. Mais si tu vois que ton point B passe par là et sera facile pour toi, moi je pense toujours à la facilité, tu vois, non? Pourquoi ne pas essayer? Tu essaies, si tu aimes, c'est bon. Si tu n'aimes pas, au moins tu auras appris. Après, à la fin de ton premier contrat, tu n'es pas obligé de re-signer un nouveau contrat. Tu prends ton chemin. Mais au moins, tu auras appris et tu auras essayé. Tu vois, non? Au lieu de rester dans ton coin et 20 ans après, tu vas te dire, si je savais. Non, moi, un truc que moi, je n'aimerais plus. Non. Quand on a un certain âge, la phrase, si je savais, il faut l'éviter au maximum. Tu vois, non? Donc, quand tu veux, va. Et au moins, essaie. Au moins, essaie. Quand tu auras essayé et que ça n'aura pas marché, au moins tu te dis que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Et moi, j'aurais aimé être dans cette position plutôt que de m'asseoir quelque part et de me gratter la tête et me dire si je savais. Non, 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 non. Vas-y, fais-le. On ne meurt pas. Tu vois, non? Just do Au contraire, au it. contraire, On on apprend. apprend. Il est vrai que à un moment donné, je me suis dit que comment j'allais faire pour courir, comment j'allais faire pour faire tout ce truc-là. Gas chamber. Comment je vais faire pour faire le gas chamber? Rock march. Comment faire tout ce truc-là? Tout ce truc-là, c'est des questions. Et la seule façon d'avoir des réponses à ce truc-là, c'est d'essayer. Parce que tous ceux qui l'ont fait avant toi, ils l'ont fait. Certains sont vraiment. Ils sont des coureurs nés. Mais quand toi, tu n'es pas coureur né, comment te forger ce moral-là, tu vois? Donc, si je me suis dit que je n'allais pas parce que j'avais peur de courir, parce que je ne peux pas faire le rock march, parce que je ne peux pas faire, je ne peux pas. Tous ces trucs qui te. Tu vois, tous ces trucs difficiles dans lesquels ils te font passer. Si tu te dis que moi, je ne vais pas le faire, bon, comment. Maintenant, non, tu dois te dire que bon, c'est difficile, mais quand même, je vais essayer. Et à force d'essayer, on devient meilleur que ce que l'on était. C'est un Tu vois, forgeron non? qui devient forgeron, comme dirait quelqu'un. Exactement. Quand j'ai commencé, je me souviens que quand je m'entraînais moi-même pour faire. Tu sais maintenant que bientôt le ACFT, bientôt ils vont faire le ACFT. Donc le APFT, quand je m'entraînais, quand j'avais joint l'armée, il fallait que je passe le 2 miles, le 2 miles, in 1742. 17 minutes 42 seconds. Donc, quand je m'entraînais par moi-même, 21 minutes, 22 minutes, 20 minutes, tu vois ce truc-là. Donc, à moi, je me suis dit que parce que après avoir couru 21 minutes sur 2 miles, vraiment, j'étais vraiment cassé. Donc, en ce moment, je n'avais pas encore signé mon contrat, tu vois. J'étais dans le circuit, au fait. Donc, je me préparais à tout. Donc, s'ils m'étaient dit que vraiment 2 miles là, c'est pas possible pour moi et que j'allais tout jeter à la porte, je ne serais pas ici en ce moment. Mais quand même, j'ai continué. Je me suis dit que bon, si c'est 20 minutes que je vais faire pour 2 miles, quand même, je vais essayer et tout et tout. Donc, la première fois que j'ai fait le test, j'ai réussi. J'étais près du 1742. Mais quand même, j'ai réussi. Tu vois. Donc, je suis passé de 21 minutes ou 20 minutes à 16 something. Comment je l'ai fait? Je ne sais pas. Je me suis seulement mis à courir comme tous les autres. J'étais fatigué, mais je poussais. Tu vois, non? Quand tu es fatigué, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu vois, tu te dis, one step at a time. One step at a time. Donc, mon premier test, je l'ai réussi. C'est pour te dire que ce n'est pas facile, au fait. C'est pas facile. Donc, à force de pousser, bon. Tu finis par avoir gain de cause. Donc c'est ça. Si quelqu'un veut utiliser la voie que moi j'ai empruntée pour faire le truc là, je suis disponible pour les informations. Quelqu'un demandait à savoir les écoles de médecine dans l'armée. Est-ce que tu dois être officier pour y aller ou bien tu peux le faire, ou bien tu peux faire la demande étant E1 ou plus?
E1, c'est Enlisted One. Ok. Enlisted, yep. Ok. Non, quand on veut parler de l'école de médecine, par exemple, moi, mon conseil que je vais donner à toute personne qui veut aller en médecine et utiliser l'armée, c'est ils ont un truc qu'ils appellent, comment ils appellent ce, ils appellent ça HSPS, un truc de scholarship, OK. où tu es déjà admis dans une école de médecine et tu vas vers le recruteur et le recruteur te dit que c'est comme ça. L'armée va t'aider, ils vont te donner un stipend every month. Toi, tu vas seulement à l'école de médecine. Tu vas seulement à l'école. Peut-être que pendant ton break, ils vont te faire venir pour faire certains training. Mais toi, pendant que tu es sur le banc, ils ne te touchent pas. Tu fais ton école de médecine 4 ans et tu bénéficies de leur scholarship. Maintenant, quand tu as fini ta formation de médecine, maintenant tu vas payer, you pay back. That's why you commission with them because it's a contract. Ils ont dit, on t'aide à aller à l'école de médecine. Quand tu finis, tu nous sers, tu vois. Donc, moi, je vois que c'est vraiment une opportunité pour quelqu'un qui veut aller à l'école de médecine. Parce que les stages ici, l'école de médecine, ça coûte cher. Très Quand tu cher. finis ton école de médecine, tu as peut-être combien comme loan? 500 000 dollars, je ne sais pas combien tu as comme loan, mais quand même, tu as une somme Conséquente. énorme. Énorme comme l'homme. Mais quand tu vois avec l'armée, tu finis ton école de médecine, tu as zéro comme l'on a payé. La seule chose qu'il te faut faire, c'est d'être militaire pour, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans. Pourquoi ne pas le faire? Et puis tu es payé aussi. C'est pas comme si c'était gratuit. Tu es payé. Tu as les Non, il bénéfices te qui viennent paie, avec. bien sûr qu'il ne te paie pas comme quelqu'un qui est dans le civil, mais quand même, il te paie une somme que vraiment, tu vis ta vie, quoi. Et Yeah, après normal. 4 ans, et celui qui est allé à l'école de médecine avec 500 000 ou je ne sais pas combien de loans il a, le minimum pour payer, tu paies ça sur 30 ans. Si tu payes ton minimum payment, tu as un minimum de 30 ans ou bien 20 ans. Je ne sais Wow. pas combien tu as pour payer ça. Mais comparé à quelqu'un qui va avec des military, tu fais 4 ans, tu sors, tu n'as rien à payer. Tu vois, non? Et ce n'est pas seulement le truc là, c'est tous les départements. L'Air Force aussi a ce truc là, l'armée aussi a ça. Il me semble que aussi le Navy a ça. Donc, quand tu veux aller à l'école de médecine et que tu n'as pas les moyens et que tu ne veux pas avoir de loan à payer après, je pense que l'armée est ton meilleur ami. Quand je dis l'armée, je parle de truc là quoi. Military, yeah, Le the military in general. in general est ton meilleur ami. Va voir, discute avec eux, écoute les conditions qu'ils t'ont à te proposer. Si tu aimes ces conditions, vas-y, mon frère. Yep. Quand tu fais le 4 ans, ça passe vraiment vite. Tu Yep. vois, non? Et comme tu l'as dit, il te paie. Ce n'est pas que tu vas là-bas, tu travailles sans être payé. Il te paie. Et 4 ans, vraiment, ça passe vite. Et tu finis ton contrat. Si tu as aimé ton premier contrat, tu peux encore re-signer. Si tu n'as pas aimé ton premier contrat, tu vas en paix. Et guess what? You have zero loan. Zero loan to pay back. Et puis, j'ai Exact, l'expérience exactly. militaire parce qu'avec l'expérience de l'armée, d'abord, c'est easy to find a job. Et de Exactly. deux, you got the respect coming from And army. then guess what? You have all your discount too. You use your discount. Exactly. Tu vas là-bas et des fois, il te demande si tu as servi ou bien tu es truc là. Dès que tu dis que tu as servi, il ne demande pas si tu as des retraités ou bien pas. Here's your discount. So, moi, je pense que vraiment, It's bon, good to take. It's good to si take. moi, l'opportunité m'était, si il faut encore faire le truc là, go back, et que j'aimerais devenir médecin ou bien un truc de médecine, et je pense que l'armée sera la première porte, l'armée, quand je dis l'armée, c'est le truc là, sera la première porte à laquelle j'aurais frappé. Et c'est ça, quoi, parce que c'est bon, quoi, tu vas à l'école, tu finis, tu fais 4 ans, il dépend de comment, et même, quand tu es à l'école, il te paie une certaine somme tous les mois. Yep. Tu vois, non? Histoire de survivre. En fait, tout est mis en œuvre pour que tu sois, to have a decent life. Parce que, they pay for your school. Et puis, on te paye aussi de l'argent pour que tu puisses au moins avoir de quoi manger, au moins avoir de quoi. Oui, c'est Honestly, ça. C'est ça. c'est. Donc, mais pour le E1, je ne Non, maîtrise pas je pense que le E1. c'est trop bas. Le U1 is trop, it's too early. I think the E1 is usually like someone who is right out of high school ou un truc comme ça. Yeah, just Tu peux high school. aussi faire le E1
et utiliser l'armée pour finir ton collège, tu vois, non? Yep, c'est ce que je fais Et actuellement. tu vois, donc tu as beaucoup plus tu as beaucoup plus d'informations sur ça, Yeah. donc En tout c'est cas, ça. en tout cas, moi j'aime souvent dire l'armée aujourd'hui, I'm happy, je suis happy, I'm happy to be here because déjà le fait d'aller à l'école, comme tu as dit, tu as mentionné pour le nursing school, imagine, c'est it is lot of money to go to school maintenant, alors que tu as ici. Tu as juste besoin de fermer les yeux, tu vas à l'école, tu es dans l'armée, mais tu prends une ou deux classes chaque semestre. Là, tu continues, normalement, ta carrière militaire, qui est, et puis à l'école, tu as ton école, bah, des temps, tu as fini l'armée, mais ton contrat, peut-être que tu es presque almost to the point to graduate. Et C'est si tu n'as ça. pas fini, tu peux encore prolonger un peu ton contrat, tu finis ton école, tu sors, tu as un better job, et puis. C'est ça. Et aussi, bon, pour quelqu'un qui veut, qui finit le high school aussi, cette personne aussi peut s'intéresser au ROTC. Tu connais ces collèges-là, non? Donc, quand tu fais 4 ans de ROTC et que tu finis, tu commissions as officer. Tu vois, donc il y a beaucoup de ces trucs-là que nous devons faire savoir. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ROTC. Je ne savais pas ça. Peut-être que si je l'avais su, j'allais utiliser cette voie. Mais encore une fois, moi, je ne fais pas avec mes peut-être. Mais maintenant que j'ai su qu'il y a ROTC, s'il y a un jeune frère qui vient vers moi et il me dit que c'est comme ça, je viens de finir le high school, bla bla bla. Même pas le. Des fois, même quand tu es déjà au collège, tu peux toujours transférer pour aller à un ROTC. ROTC. J'ai un ami, lui, il a fait le ROTC. Actuellement, il me semble qu'actuellement, il est quelque part en Corée du Sud ou bien un truc comme ça. Donc, quand tu fais le ROTC, il me semble que tu vas active duty. Il me semble bien. Là, comme ça. Je sais qu'avec le ROTC, il y a un pro. Je crois que ton commandant Non, doit valider. c'est pas forcément le il me semble non, c'est pas Green to forcément gold. Le green, c'est green, green le to active gold. duty parce que je me souviens que il me semble que quand on est allé au Boulek, il y avait des officiers parmi nous qui ils ont fait le ROTC. Je pense que tu as aussi la possibilité de choisir entre réserve et active duty. Mais quand même, je ne suis pas sûr. Mais quand Mais même, je ne suis pas sûr. ce que je peux dire, c'est que si tu es dans Active Duty et que tu veux devenir officier, il y a un programme qu'on appelle Green to Gold. Là-bas, ton commandant te signe une permission qui fait que tu pendant maybe 2 ou 4 ans, tu vas à l'école. L'armée te paye. Tu ne fais plus les duties que tout le monde fait. Et que maintenant, quand tu finis tu commission, tu reviens maintenant et tu continues à servir. C'est ce que. Est-ce que c'est la même chose as OCS? Je pense aussi que c'est notre programme aussi. Il y Parce a que. le Green to Gold différencié de OCS. Ok, parce que le OCS, je pense que là aussi, your commander has to sign and also you have to have some recommendation. Par exemple, tu es enlisted et que tu es vraiment a stellar soldier. Tu cours bien, bon, tu es vraiment un soldat vraiment excellent et que tu veux faire ça. Je pense que ton commandant signe et ton commandant te recommande et tu vas maintenant au CS. Il me semble qu'il y a aussi cette voie au CS que tu. Si tu veux. Mais, again, ce n'est pas. Bon, je sais que, bon, entre officier et enlisté, il y a des trucs comme ça, mais En tout cas, je pense que pour les tu gens dois qui voir. veulent, Tu dois les voir savoir. tu dois voir le truc sur the big picture. Il y a the big As picture, enlisted officer. We all are doing the same thing. Like we all working for the same goal. Tu vois, non? L'officier ne peut pas faire son travail sans le NCO. Tu vois, non? Et aussi, l'enlisté ne peut pas faire son travail sans l'officier. Donc, c'est pas. Il est vrai qu'il y a le grade et le rank et tout, mais quand tu vois le truc sur le the big picture of the thing, it's all one group working together. Parce que, tu vois, non? Donc, faut pas qu'on se dise que quelqu'un qui est enlisté. C'est un moins que rien ou bien non 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 c'est pas ça tu es enlisté je te dis que tu as vraiment ta valeur like, tu sais qu'il y a des trucs que vraiment même le OS les NCOIC là ils sont vraiment experts en le truc là ils sont vraiment experts donc c'est pas parce que tu es enlisté officier ou bien non tout le monde a sa valeur tout le monde a sa valeur et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre c'est ça. En tout cas, c'est toujours intéressant. Sinon, par rapport à ça, je pense que quand j'avais fait la même vidéo avec le capitaine Torso et puis nous avait vraiment détaillé tout ça là. Donc, si quelqu'un veut vraiment avoir plus de détails par rapport à ROTC,
OCS, Green to Gold, comment devenir officier. Je te referai à aller regarder la vidéo avec le capitaine Torso. La première qu'on a faite, je pense, c'est comment devenir officier dans l'armée américaine. Et là-bas, vraiment, tu auras tous les détails parce qu'il est vraiment allé en détail avec ça. Il y a une question ici qui dit si on a les mêmes bénéfices que le Active Rent. Non. On n'a pas les mêmes bénéfices. On a nos bénéfices à nous en tant que réserviste. Les actifs du DO aussi, ils ont ces bénéfices que nous, on n'a pas. Mais quand même, on ne se plaint pas parce que ce que nous, on a comme bénéfice as a reserve, des fois même le civil ne nous donne pas ça. Donc, on fait avec, quoi. Et puis, quand tu es réserviste, à la fin de ton contrat, tu veux aller actif, vas-y, et tu auras beaucoup plus de bénéfices as actif dans reserve. OK. C'est ça. C'est cool. Il y a aussi une question. Il demandait, est-ce que tu es dans l'armée, comment faire? Je ne sais pas. OK, la paix que je ne sais pas si... Ça, oui. Okay. C'est ça, bien, si tu pouvais faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est infantryman? Comme ça, je veux... Il est vraiment bravo. Oui, carrément. Non, j'en connais, mais celui qui... Oh, infantry. I know someone, one of my best buddy, he was prior artillery. Now he's a nurse, but il est né ici, donc il n'a pas le même truc que nous. Mais as far as quelqu'un qui a notre background, it might not be necessarily be somebody who got our background as long as he's like bravo. Like, déjà, vous êtes conscient que si vous demandez cette vidéo, elle va être en anglais, bien sûr, parce qu'il trouve un américain, parce qu'il n'y a pas Moi, dans mon unité, c'est pratiquement, majoritairement, c'est des medics, des docteurs, des labs, pharmaciens, nurses. C'est pratiquement... Tous les gens du domaine médical, en fait. Oui, il y en a qui ont des backgrounds différents. Parce que tu vois, quand tu as, par exemple, le gars dont je parle, il était artillerie, mais il est allé à l'école pour devenir nurse. Maintenant, il a transféré pour devenir nurse. Donc... Je ne connais pas quelqu'un, non, je n'ai pas de truc là qui est infanterie. Ce qui est sûr, je vais mettre ça sur mon programme, je vais chercher quelqu'un et on pourra faire cette vidéo comme ça. Vous voulez savoir par rapport à infantryman. Comme vous aimez tirer guangguangguang là, t'en fais pas, je vais chercher quelqu'un. J'ai une question, quelqu'un demande ROTC, c'est quoi? En fait, le ROTC, c'est Reserve Officer Training Corps. C'est comme si tu vas. Il y a certains collèges aux États-Unis qui sont affiliés avec l'armée et ils offrent ce parcours de ROTC. Donc, tu fais 4 ans, normalement comme tous les autres. Yeah. Mais à la fin de ta 4e année, tu commissions as officer either in the reserve army or in the active army. Et aussi, il me semble que during the summer break, les ROTC, ils font un truc pendant leur break. Ils font un truc militaire pendant leur break. Mais ce n'est pas un truc compliqué. Peut-être qu'ils vont faire un truc... par exemple, ils vont faire une semaine où ils apprennent comment faire le land navigation, rock march, un truc pour... c'est seulement pendant le break. Et aussi, l'ami qui a fait le ROTC, il m'a dit que des fois, ils se réveillent le matin et ils font des trucs là. Physical training, PT, oui, c'est ça. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ok, d'accord. Je pense même, j'ai même un ami qui est en train de faire le ROTC actuellement. Je peux me l'inviter un jour. On pourra discuter aussi. Et puis là, il pourra donner plus de détails parce qu'il est actuellement en process, donc il maîtrise mieux le truc. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Étant actif d'ouvrir, combien d'années tu dois faire pour devenir officier si tu peux changer? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas actif du... Je n'ai jamais été... Je sais que... Je n'ai jamais été actif du... Tu peux... Par exemple, c'est ce que le capitaine Torso a fait. Il était... OK. Si on prend son exemple, il me semble que l'école dont je t'ai parlé, cette école, quand tu es enlisté et que tu es admis dans cette école, comment ça se fait? Il me semble que... À la fin de ta formation, l'école, c'est 2 ans et quelques mois. À la fin de ta formation, tu deviens first lieutenant. Tu deviens first lieutenant. Si tu es admis à l'école en tant que, il me semble, en tant que enlisté. Mais encore une fois, puisque
le capitaine Torso, il était, lui, il a pris ce chemin-là. Peut-être que lui aura beaucoup plus d'informations. Il est beaucoup plus truc là. Mais moi, je n'ai jamais été actif du riz. J'ai commencé comme réserve. Je ne sais pas si un jour je vais être transféré pour devenir actif du riz, mais si je veux parler réserve, ça dépend de ton contrat. Moi, j'ai un contrat de 8 ans et c'est ça quoi. Et je suis, j'ai commencé second lieutenant pour finir mon truc. Je n'ai pas fait enlisted, je n'ai pas de background as enlisted. J'ai commencé directement comme junior officer, un junior officer. Je pense que cette question ressemble à celle que j'avais posée au début quand je disais si quelqu'un avait eu un bachelor en Afrique et qu'il venait transférer au fait ici, est-ce qu'il pourrait utiliser cet équivalent pour rejoindre l'armée en tant qu'officier? Je pense que c'est la même chose de mon côté. Oui, tu peux toujours rejoindre l'armée, mais le problème c'est que tu dois avoir au moins la green card. Si tu as ton bachelor en Afrique, c'est bon. Mais quand tu viens ici et que tu n'as pas ton green card, ils ne te considèrent même pas. Maintenant, parlons du fait que tu as maintenant ta green card et que tu veux rejoindre l'armée. Même quand tu veux être enlisted, il me semble qu'ils utilisent ton crédit pour faire ton truc là. Si tu as l'équivalence, donc c'est toujours mieux de faire l'équivalence de ton diplôme le diplôme que tu as en Afrique. C'est toujours mieux de faire l'équivalence ici. Comme ça, quand tu vas parler au recruteur, il dira qu'au moins tu as certains college credit. Donc, peut-être que au lieu de commencer par private E1, ils vont te dire qu'au moins tu. Je demande Il faut. il Parce faut que dans mon cas, je me souviens bien, dans mon cas, quand j'avais fait le truc là, quand j'avais fait l'équivalence de mes diplômes et tout, j'avais juste commencé le community college ici, et il me disait que il pouvait considérer certains crédits que j'avais déjà. Parce que ce n'était pas tout qu'il pouvait prendre, tu vois, non? Donc, quand ils avaient pris ce qu'ils pouvaient, c'est en ce moment-là qu'ils me donnaient maintenant E4. Tu vois? Donc, ça dépend de ce que tu as comme crédit, de ce que tu as comme diplôme, mais encore une fois, quand nous parlons du domaine médical et de mon parcours, moi, j'ai recommencé au fait à zéro. J'ai pas utilisé la voie de l'anglais, de ma licence en anglais. J'ai pas utilisé ça en tant que tel. J'ai recommencé à zéro. J'ai recommencé à étudier dans le domaine médical et j'ai fait mon chemin petit à petit pour arriver là où je suis maintenant, tu vois. Et puis, je voulais aussi préciser un truc. Même si vous venez dans l'armée, surtout si vous voulez passer par le enlisted side, tu peux avoir un bachelor, tu peux avoir un master. Tu commences toujours par E4. Il n'y a pas moyen d'aller E5, non. Parce que E5, c'est NCO, tu dois aller au BLC, all those stuff. Donc, tu commences directement par E4. C'est après, maintenant, que tu vas. Tu peux rank up fast, mais il est impossible de devenir rapidement. Un senior, un non-commissioned officer. Donc, vaut mieux, je pense que la voie du grand frère, c'est mieux, tu viens directement, tu essaies directement de voir, c'est pas, comment dire, un recruteur qui est dans un domaine spécifique qui est lié au Un tien. recruteur qui travaille pour le département médical. Voilà, Il qui faut t'a préciser pris le ça parce patron que médical. c'est seulement le direct commission route. Pas tous les départements de l'armée utilisent cette voie. L'un des départements de l'armée qui l'utilise, c'est le département médical. C'est l'un des départements. Et quand tu as un diplôme docteur, je parle de. Tu as un diplôme de docteur ici. Ici, Je ne sais pas le diplôme. Même quand tu as un diplôme de docteur, je pense que. Les stages en matière de docteur et tout, ils aiment avoir un truc d'ici. comme ça, au moins, Donc, ça, it is official. oui, donc je parle de ton diplôme ici. Et que si tu as un diplôme en médecine ici, pharmacie et tout, au lieu d'aller voir, au lieu de passer par enlisted et de faire enlisted, maybe OCS et de OCS de devenir officer, tu peux directement éliminer l'étape de enlisted et commencer junior officer, et il te donne et ton rang dépend aussi de ton étude. Tu vois, non? Moi, de ton étude, de ton de, tes années d'études et ton expérience professionnelle. Moi, dans mon cas, quand ils ont factorisé tout ça, ils me donnaient second lieutenant. Mais j'en connais des gens, ils sont docteurs et ils ont directement commencé as major. Oui. Ils ont commencé as major, pas plus tard qu'il y a de cela, il me semble en janvier,
il y a un nouveau. Il est chirurgien, gastro, il fait chirurgie de trucs là, gastrique, de trucs là. D'accord. Donc, il est venu directement en tant que major, major. Tu Wow. vois, non? Like... Donc, ça dépend de ce que tu as à leur offrir et ils vont te dire que c'est comme ça. C'est comment nous pouvons t'aider de cette façon. Tu es d'accord, tu prends, tu n'es pas d'accord. Voilà. Ah, bye bye. Tu vois, Pas c'est clair, grave. quoi. Je veux savoir s'il y a un service juridique au sein de l'armée. Oh, bien Il y a sûr. tout. Il y Il y a en tout. Il y a tout ce qu'il y a dans le civil, il y a dans le truc là. Le civil a a. des cuisiniers, mécaniciens. UCMJ, là, tout ça, là, c'est Oui, le domaine oui. juridique de l'armée. Oui. Donc. Et c'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas en fait. Tout ce que tu as dans le civil, tu as ça dans Dans l'armée. l'armée. Tu as cuisinier dans l'armée, mécanicien, électricien, docteur, Plombier, pharmacien, plombier et tout, et tout, tout, et tout, 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 et tout, tout, et tout. tout, tout. La seule différence, c'est qu'il y a un qui porte l'uniforme et l'autre qui ne porte pas l'uniforme. Yep. Donc, pour répondre à la question, il y a des avocats dans le truc là. Par exemple, si toi et moi, maintenant, on a des problèmes maintenant dans le truc là, tu vas voir que notre avocat, celui qui va nous faire le truc là, ce sera un gars qui est dans l'armée aussi, parce que le UCMJ, il sera habillé. Donc, il y a des trucs là. Service juridique, oui. Et aussi, le service juridique aussi offre le direct commissioning. The legal department, you can do direct commissioning with that too. And again, I don't know, je pense que la dernière fois que j'ai vérifié cette année, c'est toujours possible. Le legal department, you can do direct commissioning with that. Ça veut dire que tu vas directement, tu commences as a junior officer, ou je ne sais pas, dépend de ton expérience et tout et tout. Nice. Voilà. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va libérer le commandant. Ça fait déjà quoi? Ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on parle. Like, il m'a demandé enfin combien de minutes. J'ai dit ça dépendra de la manière dont la vie va évoluer. Donc ça fait déjà 2 heures qu'on est là. Donc si vous avez des questions, en tout cas, on veut donner encore 5-10 minutes avant de wrap up. So, laissez les questions. Sinon, ça a été vraiment un plaisir de causer avec le grand frère. Et je tiens à préciser, si vous êtes commenté, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. C'est vraiment ce qui m'aide à avancer. C'est ce qui aide aussi à ce que la vidéo soit référencée sur YouTube pour qu'elle puisse être vue par le maximum de personnes. Également, il y a le chat qui est activé. Le super chat, vous pouvez faire des dons de 1,99, 2,99, 3,99 jusqu'à 49,99. C'est-à-dire, ça dépend de vous. Ça permettra pour moi, en fait, de pouvoir acheter du matériel, tu vois, faire de meilleures vidéos, avoir du bon matériel pour vraiment vous proposer un contenu de qualité. Donc, sincèrement, n'hésitez pas si vous pouvez me soutenir. Et puis, voilà, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions s'il y en a. Si au cas où il n'y en a pas, ça a été vraiment un bon plaisir de parler avec le grand frère. Un mot de la fin, si tu as un conseil, c'est pas un truc pour, voilà, quand un mot de la fin pour conclure cette histoire. Non, tu sais, c'est toujours un plaisir de partager l'information. Comme je l'ai dit, l'information, elle est vraiment primordiale. Donc, c'est à moi de te remercier de m'avoir invité parce que il faut qu'on s'aide et c'est ça, quoi. C'est un plaisir pour moi de partager le peu que j'ai et aussi l'opportunité aussi de savoir combien de personnes sont intéressées par ce que nous faisons ou bien par ce que nous faisons. Et courage à toi, c'est pas Merci. facile. Et Merci bon, beaucoup. c'est ça, quoi. C'est ça, ben, c'est un plaisir. S'il y a des questions, on va répondre aux questions. Si tu peux, tu as mon numéro et tout. Donc, Non, c'est si. définitivement, on va te le voir. Si, en tout cas, si vous avez des questions Si spécifiques après. sur Si, si. l'armée, surtout par rapport au Ça. domaine médical, mettez-le en commentaire. S'il y a d'autres sujets, je peux le contacter, que revienne pour qu'on puisse encore discuter de ça, puis qu'on apprenne davantage de lui. Donc, chaque vidéo que je fais, si vous revenez, que vous avez des questions spécifiques, même si vous avez raté le live, mettez vos questions en commentaire, je vais lire vos questions. Et s'il y a moyen, je vais recontacter les personnes concernées pour qu'il revienne, qu'on en parle encore. Et puis, comme il a dit, c'est un plaisir pour lui de partager l'information. Et ce n'est pas tous les jours que vous allez rencontrer des grands frères qui sont ouverts d'esprit à vouloir partager leur parcours et tout et tout. Donc, sincèrement, n'hésitez pas, prenez avantage de cette opportunité qu'il vous donne. Parce que je sais très bien que, voilà, très peu de personnes font ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est une chance, saisissez-la. Bon,
Dans ton cas, tu es actif duré ou bien tu es réserve? Je suis actif doré. J'étais National Oh. Guard et j'ai switch pour venir actif doré il y a six, Ouais. sept mois. Donc, Oh, ok. Et comment ça se passe? ça se passe bien. C'est vrai. En fait, misconception que j'avais à propos d'actif, je pensais qu'on travaillait, comme on dit actif doré, je pensais qu'on travaillait de lundi à dimanche. Je pensais même pas qu'on avait des jours de congé ou bien des trucs. Mais je suis arrivé, je me suis rendu compte que souvent on a des fonds des week-ends. Souvent on est là, vous n'avez même pas besoin d'être là, Il ne faut vous pas faites rien. parler, faut pas parler trop fort. Donc, peut-être qu'ils vont t'écouter. Non, parlons doucement, parlons doucement. Bref, mais c'est I really love it, c'est vraiment bien. Et puis j'ai la chance d'avoir un leadership, des cœurs. Et aussi, mon sergent, c'est un Haïtien, il est de Haïti. Donc c'est vraiment bien, OK. on est là entre nous souvent, on se Non. rappelle des trucs, on parle du français, de la culture créole et tout. Et c'est, I really love it. Honestly, I love my job. Comme moi, je suis supply, donc I love my job. Je suis content d'être ici, en fait, sincèrement. C'est vrai que le weather n'est pas bon parce qu'ils vendent beaucoup ici et tout, mais à part ça, when you C'est come où to ça? C'est où ça? Fort Sill, Oklahoma. Oh, Oklahoma. Oh, OK. Ah, c'est bon, l'essentiel, c'est de prendre du bon temps et d'apprendre et surtout de ne pas procrastiner, quoi. Ce pourquoi tu es là, tu le fais vite et Et ça. Et tu puis, dégapis, quoi. c'est ça. Et puis, ce qui était bien, vu que je faisais des vidéos, mon leadership, ils ont vu que je faisais des vidéos. Maintenant, ils ont fait de moi un PAO. Donc, chaque fois qu'ils font que ce soit graduation, enfin, que ce soit promotion, que ce soit whatever ceremony, even training, they always call me to come take pictures and making videos, Donc, making interviews. voilà. So, j'ai, en Donc, fait, toi, tu vas aux événements sans être invité au fait, parce que toi, tu c'est dois ça. être là, quoi. Je dois être là, en fait. J'étais tellement content. Et puis, quand tu parles de procrastination, c'est. En fait, je me disais, au début, je suis arrivé, j'ai dit, oh, je vois les gens quand il y a des cérémonies, ils sortent avec le téléphone, ils font les photos. J'ai dit, oh, j'ai des caméras dans ma chambre, je ne les utilise même pas. Et j'ai dit, ah, moi, la petite PFC, là, je sors là, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on va me dire? Un jour, je suis allé au training, j'ai mis ma GoPro, j'ai commencé à filmer. Et puis, un sergent est venu vers moi, il dit, tu veux quoi avec ta caméra? J'ai dit non, c'est juste pour filmer mon training, en fait. Il s'est moqué de moi. Et quelques minutes plus tard, on faisait en fait une compétition. C'était quoi? C'était Fit to Win. On faisait une compétition. J'ai commencé à courir derrière eux avec la caméra pour filmer. Mon commandant disait, tu filmes? J'ai dit oui. Ok, si je veux voir la vidéo si tu finis. J'ai dit ok. J'ai fini. J'ai fait la vidéo. Je l'ai envoyé. Il dit waouh, c'est cool. C'est le genre de vidéo qu'on devrait mettre peut-être sur le Facebook page pour que les gens voient ce qu'on fait, en fait. C'est ça. Et il a dit c'était bien. Après, plus tard, le sergent major, il est venu dans ma chambre. Il faisait le room inspection. Il a demandé à voir. Il a vu ma caméra, mon setup. Il dit, I want to know what's going on here. I'm like, oh, sergent major, I'm sorry. Because I'm like, sergent major, I'm a YouTuber, so I like to make videos for fun. And, I've been doing this since I was in National Guard before. So I brought my stuff here, so I just make videos. He's like, OK. Et quand il a dit ça, le commandant dit, OK, montre-lui la vidéo que tu as fait la dernière fois. J'ai joué la vidéo, il a dit, ah, c'est bien, ça là, c'est cool, ça serait bien pour que les gens puissent voir ce qu'on fait. Et à partir de ce moment, ça m'a donné confiance. J'avais peur au début, non, mais ça m'a donné confiance en moi. J'ai commencé à souvent prendre des photos quand il y a des. C'est parce qu'ils t'ont donné l'autorisation, tu vois. Même moi aussi, quand j'allais au Bolek, j'avais ma GoPro sur moi. Et au moment de sortir ça, parce que je voulais filmer le truc là. Donc, j'ai aussi demandé la permission, si c'était possible, parce que tu sais, tu écoutes tellement les ondes, même tu parles le cerveau et tout et tout. Donc, j'ai demandé la permission si je pouvais avoir mon GoPro sur moi, sur certains exercices. Et ils m'ont dit oui. Donc, il y a des exercices sur lesquels j'avais mon GoPro, j'ai filmé ça, mais moi, je n'ai pas le truc pour développer et tout. Mais j'ai des vidéos quand même sur le truc là. Des fois, je vois ça et je ris au fait, quoi. Donc, c'est bon, c'est bon. Mais ça, c'est que c'est bon. Tu prends ton temps et puis bon, tu fais ce que tu sais faire de bien, quoi. Tu vois, donc c'est ça. Moi, j'étais content parce que ça m'a ouvert la porte. Et imagine, je continue à faire ça. Donc, chaque fois qu'il y avait mon unité faisait un truc, j'étais là pour faire des photos. Et même quand ils voient les trainings, je suis là. Et la dernière fois, on devait faire ceremony activation. Donc, on devait activer notre unité. Donc, il y avait le colonel, tous les big dogs, les two star general, ils étaient là. Puis, on me dit, Le bon, big Bojona, guy, le gars. c'est ça. On me dit, bon, Bojona, you are the PAO. So, your job is to take pictures. I was like, OK, j'étais content. Oh, le jour là, quand tout le monde était informé, j'étais plus reste tout ça là. Moi, j'étais là, je me promenais, je faisais des photos.
Et like, j'ai eu la chance d'être plus proche, tu vois, du colonel, du bataillon commander, de voir ces gens de plus près que souvent que j'avais peur de les voir. Mais quand je faisais des photos, j'étais à côté, je fais des photos chaque fois, ils viennent me demander, oh, you're making pictures? Is that professional? How you do that? Je kiffe ça, je kiffe ça, sincèrement. Bon. Même le vendredi, j'étais encore à Yowa. On m'appelle, on dit, bon, Jonah, are we doing a training today? We want you to come take pictures. I'm like, oh, sorry, I'm out of town, but I'll be back like on Monday. Tu vois? Et donc, je suis supply as a job, but I do PO on the side and I really love it because je sais que il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir avec ça because rencontrer des gens et chaque fois, si je fais des photos que on pose ça sur le website du base and they give me credit for that and it's nice, I love it, honestly. C'est pas tout le jour que tu rencontres Exactement. tout ça général. I'm telling you, and like you being there taking your picture without wondering, without have to worry that, oh, what the person gonna say, you know. And I think, moi, j'aime ça parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi, ça m'a permis aussi de me dire, OK, you know, I got something to show off for, like, I got a Ouais. skill that je peux mettre en C'est exergue. ça. Tu Et peux le voir sans saluer, c'est c'est tout ça, ça. voilà, quoi. Parce que, c'est private, quand tu vois un commandant, un colonel, tu vois, tu te dis, oh, il a dit. Ah, mon ami. Tu sais pas si vous saluez, si elle faut aller. Mais tout ça m'a fait comprendre que c'est des humains et c'est des gens qui sont super cool. Et quand tu t'approches d'eux, tu te rends compte que c'est des gens qui sont vraiment chill, like this, they're very relaxed and they're very nice and they're easy to talk to and it's good. I love my job, honestly. Well, good It luck, is what man. it is. Good luck. As long as you love it, that's all matters. So C'est ça, c'est ça. keep having fun. That's Bon. all I do, because c'est ça là. Mais je me dis, like, dans tout ce que tu fais, faut vraiment mettre, mais sois heureux, épanouis-toi dans ce que tu fais. And that's the best way to be happy. Et puis les gens autour de toi verront ça aussi. Et puis ça devient contagieux. Ils vont dire, oh wow, this person is nice. And you know, like, on peut continuer de toute façon. C'est que c'est une personne qui n'est pas dans un contexte, qui n'est pas là en train de dire, oh, I hate my life. Oh, I don't want to be here. Il y a des gens qui font ça. Et puis je dis, ah, bro, tu n'es pas obligé d'être là. En fait, même si ça va rien changer, soit dans une attitude, soit dans une disposition où, you know, enjoy every second of it. Non, Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de faire ça. Donc, enjoy. c'est. Tu as raison. Le point, c'est que, OK, même quand si tu te dis que tu sais, c'est quoi, tu sais, dans la mettre des fois, ils te donnent ce genre de training et tu es en train de faire, et tu te demandes pourquoi je suis en train de faire ça. Tu vois, alors, quand tu te poses ces questions de pourquoi, tu n'as pas la réponse. Donc, vas-y, fais ça et puis, bon, c'est pour 1 heure, 2 heures, tu fais ça et puis c'est fini. C'est fini. Et puis, tu fais ta route. Au lieu de te poser des questions, bon, pourquoi, bon. Des fois aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi, mais quand tu n'as pas de réponse à ce pourquoi te torturer? Fais ça et puis, bon, tu rentres chez toi tranquillement, quoi. Tu vois, non, donc, non, La bon, piscule. non, non. Moi aussi, j'ai peut-être, j'ai aussi le même état d'esprit. Des fois, bon, tu vas, je conduis, bon, je suis, j'ai dans le Minnesota et mon limite, c'est dans le Iowa. Des fois, je J'étais me dis que, choqué bon, quand tu m'as dit ça. Chaque fois que tu oui. conduis, like, tu quittes un autre état pour dans un autre état pour le Oui. training. Je fais ça maintenant 6 ans. Des fois, je me pose la question, mais pourquoi même je suis en train de faire ça? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Donc, je vais vendredi, dimanche, je suis à la maison chez moi. Peinard, tu vois, non? Donc, bon, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas le paradis, l'armée ou bien le truc là, c'est pas le paradis. Ça, c'est plus, c'est moins. Mais à toi de savoir comment en profiter. Tu vois, non? Parce qu'ils vont te faire des trucs, ils vont te faire passer des trucs et tout, mais en fin de compte, qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu en retires? Parce que la vie, c'est donnant-donnant, mais il faut penser à soi. Moi, je pense à moi en premier. Donc, tu vois, non? Si je vois que ce que l'armée est en train de me donner m'avantage en premier, je vais le faire. Je ne le fais pas parce que ça avantage l'armée, je fais parce que ça m'avantage moi et ma famille et tout et tout. Donc, mais si. Des fois, on fait le tri, il pleut, il pleut, tu fais tout là. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu vois, non? Pour le faire, c'est parce que ça t'avantage, c'est pour ça que tu le fais, non? C'est ça. Donc, vas-y, fais-le sans rechigner, et puis bon, on fait avec, quoi. C'est ça. En tout cas, sincèrement, ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir d'avoir discuté avec toi. C'est vraiment 2 heures, 10 minutes de pur plaisir et on a beaucoup appris. Et comme il a très bien signifié, s'il y a des gens qui sont ici avec lui, les étudiants, et qui peut-être veulent régulariser leur situation,
et ils ne savent pas comment faire. En tout cas, vous pouvez reach out et puis causer avec lui, voir. Peut-être que... On ne sait jamais. Donc voilà, essayez. Et... C'est le mot, on ne sait jamais. Yeah. On ne sait jamais, c'est ça. Donc, sincèrement, il est ouvert. Est-ce que ça, tu voudrais que je mette ton Facebook ou bien pour que les gens te contactent s'ils veulent? Ouais, tu peux mettre mon Facebook, il y a pas de... D'accord. Bien sûr que le nom qui apparaît sur l'écran, c'est pas mon truc là, mais Yeah, bon. c'est pas ce qui apparaît sur Facebook, t'inquiète. Donc, je Oui, vais mettre ça. tu peux partager mon Facebook D'accord. et de là, bon, ils peuvent me contacter. OK. Si on connaît, on partage. Si on ne connaît pas, on dit on ne connaît pas. Et puis bon, Et la on vie fait avec continue, quoi. c'est On fait ça. avec, c'est ça. Au moins, vous aurez essayé. Au moins, ne vivez pas avec le Si je sentiment de savais, non. si j'avais, voilà, si j'avais Non, essayé, tu vois. Donc, we don't do non. that. Non, si je savais, c'est pas bien. En tout cas, moi, bon, de par mon expérience, si je savais, c'est un truc qui fait. Ça fait plus mal, en fait, quoi. Ça te ronge, en fait, tu vois, non? Donc, il faut toujours essayer. C'est oui ou bien c'est non. C'est ça. Quand tu as oui, c'est bon. Quand tu as non, pourquoi tu as non? Tu apprends et puis tu évolues, quoi. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Quand c'est possible, il faut essayer. OK. En tout cas, merci à toi, merci d'être venu et espérons peut-être qu'on te reverra très bientôt pour d'autres vidéos, bien pour pouvoir apprendre plus de toi. Ça serait vraiment un grand plaisir de te recevoir. Donc, tu peux revenir Pas de anytime problème. and yeah, thank you for your time. I really appreciate you, sir. Hey, thank you for your time. And then again, thank you. And then good luck for what you are doing. And then thank you for that. Thank you, sir. Okay, have a good day, man. You too, sir. Bye-bye. Yeah, bye-bye. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous qui avez été en connecté. On n'a pas été très nombreux, à peine 12 personnes. Mais bon, et merci à vous qui avez laissé des pouces bleus. Vous avez 35 personnes à laisser des pouces bleus. J'ai une autre vidéo dans 1h30 avec Ella et on parlera au fait de comment devenir un médecin. Ça tombe bien, c'est le domaine de la médecine. Comment devenir un médecin aux États-Unis, tu vois, comment les études de médecine, comment ça se passe et tout. On discutera avec elle, on apprendra beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous revenir. Je serai en live encore dans 1h30 pour en parler. Donc, déjà, merci à Herman, merci à Mohamed, merci à Napa, merci à Richard, merci à Lala, merci également à Baba Gamagaté. Hey, Baba Gamagaté, c'est comment? Mon gars sur d'hier. Merci d'être venu ici hier. Ça a été un plaisir de t'avoir reçu hier aussi. Donc, la vidéo avec Baba Kamagaté est disponible sur ma chaîne. Donc, allez regarder. Lui, il est dans le Air Force. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport au Air Force avec lui et vous apprendrez de son expérience aussi. Ça a été super bien de l'avoir eu. Merci aussi à Bat, Duke. Merci à Coco. Merci à Ange Romaric. Merci également à Junior Pablo. Et merci à vous tous qui regardez. Et on se dit à tout à l'heure. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, laisser des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà. Partagez la vidéo simplement à vos amis. Puis on est ensemble. Dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau décor. Allez, parlons-nous de l'affaire de Drill dans un autre état en tant que réserve. Ok, il n'y a pas de souci, shérif. I got you. Ok, à tout à l'heure.